Bonjour à tous et bienvenue pour la quatrième partie de notre série sur Saint-Ignace d'Antioche. On est donc dans la deuxième partie sur quelle ecclésiologie peut-on tirer des sept lettres qui constituent le corpus ignatien. On va poursuivre. Le souffle d'incorruptibilité aux Éphésiens 16, 17. Ne vous y trompez pas, mes frères. Ceux qui corrompent les familles, c'est-à-dire les adultères, n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Si donc ceux qui faisaient cela selon la chair ont été mis à mort, combien plus celui qui corromprait par sa mauvaise doctrine la foi de Dieu, pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Celui qui s'est ainsi souillé ira au feu inextinguible, et de même celui qui l'écoute. Si le Seigneur a reçu une onction sur la tête, c'est afin d'insuffler dans l'Église l'incorruptibilité. In apnei te ecclesia aphtharsian. Ne vous laissez donc pas oindre de la mauvaise odeur du prince de ce monde, pour qu'il ne vous emmène pas en captivité, loin de la vie qui vous attend. Pourquoi ne devenons-nous pas tous sages en recevant la connaissance de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ? Lavondes theou gnoosin, o estin Iesous Christos. Pourquoi périr follement en méconnaissant le don que le Seigneur nous a véritablement envoyé? Agnoundes to charisma, o pempo phenalithos o Kyrios. Donc, ce qu'on voit dans cette citation, il est question des hérésiarques, de ceux qui inventent de nouvelles doctrines et qui éloignent ceux qui les suivent de la vérité et de l'Église. Et c'est mis en rapport avec ce qui fait l'Église, comparé à ceux qui la quittent, c'est qu'elle a reçu l'insufflation dans l'Église de l'incorruptibilité. Et on a en grec le verbe pneo, là c'est pnei, afin qu'il souffle littéralement à l'Église l'incorruptibilité. Il s'est mis en rapport avec la réception d'une onction sur la tête, donc probablement une allusion à la théophanie, le baptême du Christ, Saint Jean-Baptiste met une onction sur la tête du Christ, donc ou bien ça pourrait éventuellement, on pourrait voir aussi une allusion à l'onction éternelle du Fils, il est éternellement désigné comme étant celui qui doit s'incarner. Probablement, l'onction sur la tête, c'est la théophanie. Donc, il y a une manifestation de la Trinité à ce moment-là, l'Esprit qui descend, comme une colombe. Et c'est cet Esprit que souffle le Christ aux apôtres dans l'évangile de Jean, après la résurrection. Donc, c'est sans doute à ça que fait allusion l'insufflation dans l'Église de l'incorruptibilité, quand le Christ dit « recevez le Saint-Esprit », et c'est là qu'il transmet aux apôtres le pouvoir des clés, qu'il leur donne le pouvoir d'établir l'Église et sans doute d'imposer les mains pour établir des successeurs qui eux auront aussi le pouvoir des clés, comme l'expliquait Saint Ambroise de Milan dans son traité sur la pénitence. Donc il y a cet Esprit qui est insufflé dans l'Église, et qui n'est pas, évidemment, dans les schismes et dans les hérésies. Et ceux qui quittent l'Église méconnaissent par là le don que le Seigneur nous a véritablement envoyé, c'est-à-dire le don de l'Esprit-Saint, le charisma de l'Esprit-Saint. Ensuite, il va être question plus précisément de l'Eucharistie, le remède d'immortalité. Surtout si le Seigneur me révèle que chacun en particulier et tous ensemble, dans la grâce qui vient de son nom, vous vous réunissez dans une même foi, en mia pisti, et en Jésus-Christ de la race de David selon la chair, Romains 1, 3, fils de l'homme et fils de Dieu, pour obéir à l'évêque et au presbytérium. Isto epacuin imas to episcopo que to presbyterio, dans une concorde sans tiraillement. Aperispasto diania, rompant un même pain, qui est remède d'immortalité. Ena arton clondes, os estin pharmakon athanasias, antidote pour ne pas mourir. Andidotos tumi apothanin, mais pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. Allazin en Iesou Christo diapandos. Aux Éphésiens 20, 2, un passage très connu
de Saint Ignace d'Antioche, où il appelle l'Eucharistie le pharmakon athanasias, le remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir. Donc, il y a une réalité du sacrement qui est indéniable chez Saint Ignace d'Antioche. Et le symbolisme eucharistique et la réalité du sacrement, la réalité de la présence de Dieu dans l'Eucharistie est un des aspects très forts de l'ecclésiologie qui émane du corpus ignatien. Pour ça qu'on peut parler d'ecclésiologie eucharistique, eucharistocentrée, même si ça n'a pas tellement de sens de le souligner, ça devrait être évident. L'ecclésiologie orthodoxe est christocentrique, donc elle est eucharistocentrique. Puisque le mode suprême par lequel le Fils continue d'être incarné, ou par lequel les hommes continuent de participer au mystère de l'incarnation du Fils, c'est l'Eucharistie, évidemment. Donc il y a une manifestation de la puissance du Père et du Fils qui se fait par l'évêque, par le sacerdoce épiscopal, et c'est intrinsèquement lié au fait qu'il est le garant de l'Eucharistie et celui qui célèbre l'Eucharistie par excellence. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Insistant sur une même foi, et juste après, un même pain, une même Eucharistie, etc. Donc le lien intrinsèque entre la confession de foi et l'Eucharistie est clairement établi également. Et voilà, il faut une concorde dans cette même foi autour de l'évêque. Et l'expression par excellence de cette même foi, c'est la communion, évidemment. L'évêque gardien de l'unité. Ainsi, enfant de la lumière de vérité, tekna un photos alithias, fuyez les divisions et les mauvaises doctrines. Vevgete ton merismon, ketas kakodidaskalias. Là où est votre berger, opus de opiministin, suivez-le comme des brebis. Os provata akolucite. Car beaucoup de loups apparemment dignes de foi captivent par des plaisirs mauvais ceux qui courent dans la course de Dieu. Mais ils n'auront pas de place dans votre unité. Alenti enotiti imon uch exusin topon. Abstenez-vous des plantes mauvaises. Apechiste ton kakon votanon. Que Jésus-Christ ne cultive pas. Astinas ugiorgi Iisus Christos. Parce qu'elles ne sont pas une plantation du Père. Diatomi ine aftus fitian patros. Car tous ceux qui sont à Dieu et à Jésus-Christ, ceux-là sont avec l'évêque. Ultime tatu episcopu isin. Et tous ceux qui se repentiront et viendront à l'unité de l'Église, Metanois andes elthosin istinenoti tis ecclesias, ceux-là aussi seront à Dieu, pour qu'ils soient vivants selon Jésus-Christ. Ina osin kataisun Christon zondes. Un passage très important de l'épître aux Philadelphiens, 2, 1 à 3, 2, où on a ce lien qui est fait entre l'unité autour de l'évêque pour fuir les divisions et les mauvaises doctrines, donc à la fois les schismes et les hérésies. Souvent vont ensemble, même si on peut les distinguer. Contre ces schismes et ces hérésies, l'unité autour de l'évêque orthodoxe, les brebis suivent comme leur berger, et il précise que ceux qui refusent de se soumettre à l'évêque ou de conserver et d'enseigner la bonne foi n'auront pas de place dans l'unité de l'Église. Enti enotiti imon ur exusin topon. C'est-à-dire qu'ils sont coupés de la communion de l'évêque, ce qu'on appelle une excommunication. Alors ils se coupent d'eux-mêmes ou ils sont coupés par une décision de l'évêque ou d'un synode. Parfois, il n'y a même pas besoin d'une sentence d'excommunication puisque les gens concernés se coupent d'eux-mêmes et forment leur propre parasynagogue parallèle, comme dira Saint Basile dans ses canons. Et voilà, il est dit que ceux qui n'enseignent pas la vraie foi ne sont pas cultivés par Jésus-Christ et donc ne sont pas une plantation du Père, évidemment. Tous. On voit le lien organique qu'il y a entre l'Église, l'évêque, l'Eucharistie, la foi apostolique et le fait d'être tekna photos alithias, enfant de la lumière de vérité, qui est la même chose que tekna theou. Le langage johannique, les enfants de Dieu, ceux qui sont qui renaissent dans le baptême et sont adoptés par Dieu pour être cohéritiers du Christ, tout ça c'est évidemment le mystère de l'Église, le mystère de l'unité, comme le diront très bien Saint Cyprien de Carthage et Saint Firmilien de Césarée,
le Sacramentum Unitatis, déjà très clair chez saint Ignace d'Antioche. Et il y a aussi la mention du fait que ceux qui s'éloignent de l'Église peuvent être réintégrés s'ils se repentent et donc viennent à l'unité de l'Église. Epitinenotitatis Ecclesias. Donc l'unité de l'Église n'est pas menacée, n'est pas annulée, n'est pas relativisée par le fait qu'il y ait des schismes, des hérésies. Comme elle est liée à l'insufflation de l'Esprit par le Christ, elle est liée à l'Eucharistie qui est le corps et le sang du Christ, elle est liée au sacerdoce authentique qui a une succession apostolique et qui conserve la foi, à la double preuve que demande Tertullien. Succession apostolique, consanguinité de la foi. Eh bien, l'unité est intangible, plutôt l'unité est inébranlable, puisqu'elle a pour source le Christ lui-même, et la communion dans la vraie foi. Et donc, c'est un retour à l'unité qui est demandé aux schismatiques et aux hérétiques, avec le repentir, évidemment, c'est-à-dire reconnaissance de ses propres fautes. On rentre la tête basse, toujours dans l'humilité, à l'unité de l'Église. Et donc, à nouveau intégrés, ils sont à Dieu et vivants en Jésus-Christ. Kata ishun Christon zondes, selon Jésus-Christ. Ils vivent à nouveau de la vie du Christ. Donc la vie spirituelle, la vie en Christ est dans l'Église, fait partie du mystère de l'unité, des vrais sacrements, du vrai sacerdoce, etc. Tout ce qui fait l'Église, en contraste des schismes et des hérésies. C'est assez clair chez saint Ignace. Un évêque, un sanctuaire, une Eucharistie, un peu le thème central qui explique la soumission à l'évêque que demande saint Ignace. Ne vous y trompez pas, mes frères, si quelqu'un suit un fauteur de schisme, istis hijondi akolousi, il n'aura pas l'héritage du royaume de Dieu. Basilian seu ukleronomi. C'est une référence à l'expression de saint Paul, dans l'épître aux Éphésiens, il me semble, ou aux Corinthiens, enfin, ceux qui font toute une liste que saint Paul donne n'ont pas l'héritage du royaume de Dieu. Là, c'est le même principe avec les schismatiques, ce que saint Paul dit déjà d'ailleurs. Il utilise le mot hérétique aussi, hérétikon anthropon, dans l'épître à Tite. Si quelqu'un marche selon une pensée étrangère, itish en alotria gnomi peripati, celui-là ne s'accorde pas avec la passion du Christ. Utosh topasi, usinkatati sete. Donc, il y a une unité de gnomi, c'est un terme important chez saint Ignace. On a vu que il dit à Polycarpe qu'il a une gnomie en Dieu, il parle de sa propre gnomie tournée vers Dieu, qui doit rester pure. Et là, il parle de la loteria gnomie, la pensée étrangère, l'état d'esprit étranger. C'est presque la même chose que le phronima, en fait, l'état d'esprit, qui est un mot utilisé par saint Paul, phronima Christo, l'état d'esprit du Christ que doivent acquérir les chrétiens. Donc une pensée étrangère, c'est déjà se départir de l'unité, et c'est souvent cette allotria gnomi qui pousse les gens au schisme et à l'hérésie, même si en germe elle peut être dans l'Église, dans un état qui n'est pas encore critique, peut-être soignée, mais s'il n'y a pas de repentir, s'il n'y a pas de volonté d'écouter l'Église ou la tradition de l'Église, ça provoque les divisions, les mérismi ou mérisma, je sais plus, c'est un neutre ou un masculin, contre lesquels saint Ignace avertit les philadelphiens et la plupart des églises d'Asie. Ayez donc soin de ne participer qu'à une seule Eucharistie, mia Eucharistia. On a le terme grec clairement dans son sens technique, comme dans la Didachie d'ailleurs, qui date du 1er siècle, car il n'y a qu'une seule chair de notre Seigneur Jésus-Christ, et un seul calice pour nous unir à son sang, qui est en potirion ish enoshin tu ematos afto. Encore une fois, l'Eucharistie liée à l'unité de la foi, à l'unité du Christ, qui est l'unité de l'Église. Tout ça n'est qu'un seul et même concept, de l'unité avec Dieu. Et c'est à ça que renvoie la prière sacerdotale de Christ en Jean 17, si je ne me trompe pas.
la prière sacerdotale du Christ avant son ascension, afin que vous soyez un comme le Père et moi sommes un. On peut dire que les lettres de saint Ignace d'Antioche, c'est tout un commentaire orthodoxe, patristique de cette prière sacerdotale. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la prière sacerdotale, donc il y a quelque chose qui touche à l'épiscopat là-dedans. L'épiscopat, le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et qui se reflète dans la fonction épiscopale en général. Donc, un seul calice, il y a une seule Eucharistie parce qu'il n'y a qu'une seule chair de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lié à l'unité de la foi. Il y a l'unité organique de l'Église. C'est-à-dire, même si on a la vraie foi sans être en communion organique avec l'Église, c'est une absurdité, c'est un non-sens. C'est comme avoir la théorie sans avoir la réalité. Donc évidemment, il faut être dans l'Eucharistie qui a la succession apostolique, etc. Un seul autel, en Sichiastirion. Évidemment, c'est au même endroit. Dans un même endroit, il y a un seul autel où tous les fidèles idéalement se réunissent. Et donc un seul autel, c'est-à-dire une seule confession, un seul organisme. Il n'y a pas de juridiction, comme diraient les protestants, il n'y a pas de dénomination parallèle qui sont toute l'Église. Il n'y a qu'une seule dénomination qui est l'Église, l'Église du Christ, et c'est pour ça qu'il y a un seul autel, en Sichiastirion. Rien de plus étranger à saint Ignace d'Antioche que l'idée des dénominations inventées par les protestants comme pour banaliser l'état de schisme. Comme un seul évêque avec le presbytérium et les diacres. Os is episcopos amato presbyterio que diaconis. Mes compagnons de service. Ainsi, tout ce que vous le ferez selon Dieu. Sans doute katathéon. Donc pour être katathéon, il faut être dans l'unité de l'Église, qui est la foi orthodoxe, qui est réunie autour de l'évêque. Son Eucharistie, qui est la seule légitime, elle est VVA, comme il le dit, alors que ceux qui sont hors du sanctuaire ne sont pas purs, ils n'ont pas l'Eucharistie VVA. Pas valide, elle n'est pas légitime. Et il n'y a plus de vie dans le Christ, comme on l'a vu précédemment. Il n'y a pas le remède d'immortalité, il n'y a pas le souffle d'incorruptibilité. Sur les assemblées légitimes, on a aussi ce passage au Magnésien 4. Il convient donc de ne pas seulement porter le nom de chrétien, mais de l'être aussi. Certains, en effet, parlent toujours de l'évêque, mais font tout en dehors de lui. Cela ne me paraît pas avoir une bonne conscience. Itiuti ze uk isinizitimi ine fenonde. Car leurs assemblées ne sont pas légitimes, ni conformes au commandement du Seigneur. Ziatomi veveos katendolin sinasrizeste. Là, on a la version adverbiale, veveos, légitimement, validement. Ziatomi veveos katendolin, sinasrizeste, du fait qu'il se rassemble, pas veveos, pas validement, et pas katendolin, donc pas selon le commandement. Encore une fois, c'est clair, là, on ne sait pas vraiment de quel type de groupe il parle, mais sans doute c'est plutôt le type de la parasynagogue, c'est-à-dire des gens qui étaient dans l'église, mais puis qui ont un désaccord avec l'évêque et qui regroupent, qui font des assemblées liturgiques sans la bénédiction de l'évêque. Donc ce ne sont pas nécessairement des hérétiques, ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont été anathématisés et rejetés officiellement, mais ils ont formé leur propre groupe parallèle, donc... Ils n'ont pas bonne conscience à cause de ça. Et leurs assemblées ne sont pas légitimes puisqu'ils ne sont pas bénis par l'évêque, par la structure canonique de l'Église. Tout faire en commun dans l'unité. Au Magnésien 7. De même donc que le Seigneur n'a rien fait, ni par lui-même, ni par ses apôtres, sans son Père, avec qui il est un, ainsi vous non plus ne faites rien sans l'évêque et les prêtres. Anef tu episcopu, et n'essayez pas de faire passer pour raisonnable ce que vous faites à part vous. Mais faites tout en commun. Alepito afto. Une expression très importante.
Epit of Ptor, ça désigne toujours le lieu de la synaxe légitime autour de l'évêque, le lieu de la divine liturgie. Epit of Ptor, en ce lieu précisément-là, et pas ailleurs. Donc là, ils traduisent fait tout en commun. C'est pas littéralement ça, mais c'est une expression assez intraduisible. Mais en ce lieu-ci, précisément, qui est légitime. Une seule prière. Mia prosefhi, une seule supplication, un seul esprit, une seule espérance dans la charité, dans la joie irréprochable. Cela, c'est Jésus-Christ, à qui rien n'est préférable. Tous accourez pour vous réunir comme en un seul temple de Dieu, ish en anaon seou, comme autour d'un seul autel, epi en thishiastirion, en l'unique Jésus-Christ, epi ena ishun Christon, qui est sorti du Père un et qui était en lui l'unique, et qui est allé vers lui. Avec une petite variante dans les manuscrits, là où il y a cela, c'est Jésus-Christ, Oestin Jesus Christos, il y a une variante qui est unique Jésus-Christ, Is Estin Jesus Christos. Dans les deux cas, ça se comprend dans le contexte, donc on voit encore le lien qu'il y a avec la prière sacerdotale du Christ dans l'évangile de Jean. La prière pour l'unité qui est nécessairement exaucée puisque c'est une prière du Christ. Le Christ, quand le Christ prie, c'est le Fils de Dieu, donc en général quand même, c'est exaucé. Et l'exaucement, si on peut dire, de cette prière, c'est bien sûr la Pentecôte. L'Esprit Saint qui descend, qui vient unir tous les disciples dans un même esprit de vérité, etc. Et c'est ce qui fait qu'il y a un seul temple de Dieu. Autour d'un seul autel, il réinsiste là-dessus, c'est-à-dire un seul endroit qui est la bénédiction de l'évêque. Ceux qui n'ont pas la bénédiction de l'évêque légitime élèvent un autel différent, un autre autel. Ce sera un allotrion sichiastirion. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il réinsiste sur l'unité, pas seulement de l'autel, de l'Eucharistie, de l'évêque, mais aussi de la prière. Mia prosefki, c'est très important, parce que la prière liturgique et la prière en général doit exprimer la même unité que les autres éléments qu'on a déjà vus. C'est très important à comprendre de nos jours. Mia prosefki, une seule prière, ça va avec une seule supplication, un seul esprit, que ce soit phronima ou pneuma, une seule espérance, elpis, dans la charité, agapi, dans la joie, pistis. La triade paulinienne. Les trois vertus par excellence que saint Paul énonce aux Corinthiens supposent l'unité de tout ça dans l'Église. L'unité de la prière, l'unité de l'Eucharistie, l'unité de l'évêque, l'unité des prêtres autour de l'évêque, un seul temple, un seul autel, un seul Christ, un seul Père, etc. Et on arrive à cette quasi périphrase de la prière sacerdotale de Jean 17. Unique Jésus-Christ qui est sorti du Père un, qui était en lui l'unique, qui est allé vers lui, cette unité du Père et du Fils, car moi et le Père nous sommes un, cette unité qui est insufflée dans l'Église par le Fils, quand il souffle l'Esprit Saint sur les apôtres. Et ce souffle d'incorruptibilité qui fait l'unité du collège apostolique, qui fait l'unité de l'Église, qui fait l'unité des sacrements, le baptême, la chrismation, l'Eucharistie. Tout ça montre que l'unité dont jouissent les trois personnes de la Trinité, la communion non seulement d'essence, mais d'attributs, d'énergie, etc. Tout ce qui émane de l'essence, est insufflé par la grâce dans l'Église pour que les hommes vivent dans la même unité, par la même vie divine, transmise par les sacrements, etc. Et c'est ça que le Christ demande dans Jean 17, que l'Église soit formée dans la même unité que lui, dont lui jouit avec le Père. Donc c'est une unité énergétique également.
unité d'action, etc. etc. Idéalement, les chrétiens ont un seul cœur, un seul esprit, une seule âme, et donc agissent ensemble dans le même sens, dans la vertu, et dans la même confession de foi. C'est on peut voir toutes les lettres de saint Ignace comme un très beau commentaire ancien de Jean 17, même si il ne cite jamais textuellement l'évangile de Jean. Ensuite, Autralien 7, 6, l'Église face aux hérétiques, continue sur ce thème. Je vous exhorte donc, non pas moi, mais la charité de Jésus-Christ. N'usez que de la nourriture chrétienne. Moniti Christiani trophi Christe. Abstenez-vous de toute plante étrangère. Allotrias de votanis apecheste, qui est l'hérésie. Itis estin hérésis. Ce sont des gens qui entremêlent Jésus-Christ à leur propre doctrine, en cherchant à se faire passer pour dignes de foi, comme ceux qui donnent un poison mortel, sana shimon pharmakon, avec du vin mêlé de miel, meta inomelitos. Celui qui ne sait pas le prend avec plaisir, mais dans ce plaisir néfaste, il absorbe la mort. La vani to apothanin. Gardez-vous donc de ces gens-là. Philatechte un tustiutus. Vous le ferez en ne vous gonflant pas d'orgueil et en restant inséparable de notre Dieu Jésus-Christ, de l'évêque et des préceptes des apôtres. Ustin achoristis theu Isu Christu, que tu episcopu, que ton diatagmaton ton apostolon. Un passage important, on voit qu'il y a. On voit un critère, on voit une regula fidei, hein, le Christ, l'évêque et les préceptes des apôtres. Celui qui est à l'intérieur du sanctuaire, ou endos thysios tirio on, est pur, katharos estin. Et celui qui est en dehors du sanctuaire, ose ectos thysios tirio on, il n'est pas pur, ou katharos estin. C'est-à-dire que celui qui agite en dehors de l'évêque, du presbytérium et des diacres, celui-là n'est pas pur de conscience. Utos ou katharos estin, thysinidisi. Donc il explique encore plus clairement ce qu'il entend par l'unité autour d'un seul autel, une seule Eucharistie, et ceux qui ne suivent pas la hiérarchie ecclésiastique, qui partent dans leur propre fantaisie, leur propre désir, etc., ne sont pas purs de conscience. Et c'est pour ça aussi que leur sacrement n'est pas légitime, du fait qu'ils se sont séparés de l'unité du corps en se séparant de l'évêque, etc., etc. Évidemment, là, on est toujours dans les cas d'église locale auxquels s'adresse saint Ignace d'Antioche. On n'est pas dans des affaires entre différentes provinces, différents synodes, différents groupes d'églises. C'est un peu différent. Là, on est dans un contexte où saint Ignace écrit à des églises précises qui font face à des dangers précis, à des gnostiques, à des docètes, à des judaïsants, à des gens qui n'en font qu'à leur tête, etc. Et connaissant les évêques des églises à qui il écrit, il leur dit « Attachez-vous à votre évêque, il est orthodoxe, il est très bien, il est plein de vertus, donc n'écoutez pas les autres. » En quelque sorte, saint Ignace d'Antioche est garant de ces évêques auxquels il leur demande de se soumettre, puisque lui-même est un homme apostolique auquel les gens font confiance, duquel on reconnaît l'autorité spirituelle. Et en plus, il est sur le chemin du martyr, donc, et ce charisme particulier des confesseurs de la foi. Et voilà déjà les analogies classiques des plantes étrangères, du poison. Ce qui est intéressant, c'est que saint Ignace dit bien que les mauvaises doctrines sont toujours présentées sous un jour innocent, anodin, bénéfique. Donc les hérétiques cherchent à se faire passer pour dignes de foi, évidemment. Ils disent pas « Bonjour, je suis un hérétique, est-ce que vous voulez me suivre ?» Et ils présentent leur doctrine comme du vin mêlé de miel. Ils contiennent un poison mortel. « Thanashimon pharmakon ». On avait le pharmakon à Thanasias, qui est le remède d'immortalité, là on a le Thanashimon Pharmakon, qui est exactement l'inverse, le poison mortel. Attends que les gens passent. Ils font leur boucan. Et une fois que les gens passent, on va couper ça au montage.
Alors. Donc il y a cette dichotomie, cette opposition entre le remède d'immortalité et le poison mortel. Littéralement, le remède mortel, Thanachimon pharmakon. En fait, c'est le même terme pharmakon pour dire remède et poison. Et on peut en déduire une dichotomie entre l'Eucharistie légitime, qui est le remède d'immortalité, et l'Eucharistie illégitime, qui est le poison mortel. C'est très important pour comprendre aussi les préconditions de la communion, de l'intercommunion, et pourquoi on excommunie, ou pourquoi on impose certaines préconditions avant de recevoir à la communion. On continue avec Autralien 11, sur le même thème. Fuyez donc ces mauvaises plantes parasites. Vevgete un tashkakash parafiadash. Elles portent un fruit qui donne la mort. Tashgenosh ashkarpon thanatophoron. Et si quelqu'un en goûte, ou ean gevsitetis, il meurt sur le champ. Parafta aposniski. Encore le même thème, avec les plantes parasites qui en plus portent un fruit qui donne la mort. Donc leur doctrine. Leur doctrine évidemment, leur hérésie, mais sans doute aussi leur propre mystère, leur propre sacrement, leur propre eucharistie qui n'est pas légitime, donne la mort. Tasgenosas. Et c'est un thème qui revient en boucle beaucoup chez les pères de l'Église, quand ils parlent des hérétiques. Et des schismatiques un peu dans le même groupe, mais encore plus les hérétiques, ce qui est vrai pour les schismatiques, et encore plus vrai pour les hérétiques. Ce qui est vrai pour les hérétiques n'est pas toujours vrai pour les schismatiques, mais globalement, il y a le même rapport à l'Église qui est le fait d'être étranger en dehors, hors de la communion. Ceux-là ne sont pas la plantation du Père. Utigar ukisinfitia patros. La plantation du Père, c'est l'Église qu'a fondée le Christ, du Père, en envoyant l'Esprit, à la Pentecôte en particulier. Donc si on n'est pas dans l'Église qui a ce souffle d'incorruptibilité que le Fils a soufflé de la part du Père dans l'Église, on n'est pas de la plantation du Père. S'ils l'étaient, ils apparaîtraient comme des rameaux de la croix et leurs fruits seraient incorruptibles. Là, il fait sans doute référence au fait que les docètes refusent l'incarnation réelle du Christ et donc refusent aussi le martyre. Ils trouvent ça ridicule de mourir en martyr. Et Saint Ignace leur répond que s'ils étaient vraiment de la plantation du Père, eh bien ils auraient aussi des martyrs, ils mourraient pour le Christ, et leurs fruits seraient incorruptibles. Donc ils auraient des martyrs auprès du Christ au paradis. Par sa croix, le Christ en sa passion vous appelle, vous qui êtes ses membres. Donc les vrais chrétiens, eux, veulent suivre le Christ dans sa passion, et donc vénèrent les martyrs et considèrent le martyr comme un honneur. La tête ne peut être engendrée sans les membres. C'est Dieu qui nous promet cette union. Tu seu enoshin epangelomenu, qu'il est lui-même. Oishtin aftos. Donc on a cette idée que il faut que les membres suivent l'exemple du Christ, portent leur croix, comme le Christ le dit, portez ceux qui veulent me suivre doivent porter leur croix, et c'est cela qui les mène dans l'Église à l'union avec Dieu, qui est lui-même cette union. C'est important, ça veut dire que c'est la divinité elle-même qui est l'union. Donc, comme il le disait précédemment, c'est une participation à Dieu. C'est tout le centre de la sotériologie orthodoxe et de la doctrine de la déification de l'homme qui nécessite les sacrements, et la vertu, et l'ascèse, et l'ensemble de la vie chrétienne. Idem Usmirniot 4.1. Mais je veux vous mettre en garde contre ces bêtes à face humaine. Non seulement il vous faut ne pas les recevoir, zi imash mi parazecheste, mais s'il est possible, ne pas même les rencontrer. Alizinaton miseshinandan, et seulement prier pour eux. Monon ze prosevcheste hyperafton. Si jamais ils pouvaient se convertir. Ean posh metanoisosin. Ce qui est difficile. Oper zishkolon. Mais Jésus-Christ, notre vie véritable, en a le pouvoir. Donc c'est très important. Il dit, il faut absolument et seulement, monon, prier pour eux.
προσεύχεστε υπέρ αυτών. Mais on conserve μία προσευχή, une seule prière, εν θυσιαστήριον, un seul autel, etc. Donc il n'y a pas de prière avec eux, mais des prières pour eux, afin qu'ils ils obtiennent le repentir, qu'ils les ramènent dans l'unité de l'Église. Si on fait le lien entre les différents passages qu'on a lus. Donc on ne les reçoit pas, si possible on ne les rencontre pas, évidemment il parle d'hérésiarques, il parle d'hérésiarques et de ceux qui suivent ces hérésiarques, ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, il demandait aux chrétiens de ne pas s'asseoir, de ne pas avoir de rapports sociaux avec les gens autour d'eux, qui étaient majoritairement des païens ou des juifs ou autres, beaucoup, surtout des polythéistes. Mais il est question de ceux qui vraiment, de leur propre volonté, de leur vivant, sèment la zizanie dans l'Église, déchirent l'Église et créent des sectes. Eux, ils font tellement de mal consciemment et volontairement à l'Église qu'on ne doit même pas les rencontrer, on ne doit même pas les saluer pour que ça les amène au repentir. En fait. Pour qu'ils comprennent qu'ils font quelque chose de grave, qu'ils perdent la vie, qu'ils perdent la vie spirituelle. Et donc cette exclusion doit les amener au repentir pour qu'ils soient ramenés par le repentir de l'unité de l'Église et à la vie en Christ. Alors que si on ne mettait pas en place ces règles, ce serait en quelque sorte ne pas souligner la gravité de la chose et donc les empêcher par là d'accéder au repentir et à la vie. Et en même temps que ça, il y a bien sûr les prières. Prières pour eux, si jamais ils pouvaient se repentir ou se convertir. La métania, c'est le verbe qui donne la métania, métanoïs aussi. Ce qui est difficile. Difficile n'est pas impossible. Car Jésus-Christ, notre vie véritable, en a le pouvoir. Repentir et retour à l'unité, justement, aux Philadelphiens 8.1. J'ai donc fait tout ce qui est en moi comme un homme fait pour l'union. Chez qui il y a division et colère, Dieu n'habite pas. Ou zemerismos estin keorgi, theos ou katiki. Mais à tous ceux qui se repentent, le Seigneur pardonne. Pasin un metanousin, afi o kyrios. Et si ce repentir les amène à l'unité avec Dieu. Et an metanoïs osin isenotita theou. Et au sénat de l'évêque. Que synedrion tu episcopu. Donc il n'y a aucune séparation entre l'unité avec Dieu, l'unité avec l'évêque, l'unité dans l'Église. Puisque l'Église est le corps du Christ, le Christ est un et provient du Père un. On a vu ça. Et donc il n'y a que le repentir qui peut ramener dans cette unité. Et évidemment, un repentir qui porte des fruits, c'est-à-dire que c'est pas juste je me repens et je fais rien. Si ce repentir les amène à l'unité avec Dieu et au sénat de l'évêque, donc il faut qu'ils soient réintégrés dans le corps de l'Église. J'ai foi en la grâce de Jésus-Christ qui me délivre de tout lien. Je vous exhorte à ne rien faire par esprit de querelle, mais selon l'enseignement du Christ. Donc évidemment, dans un esprit d'unité, d'indivisibilité, de concorde, d'homonia. Donc on voit très bien, ce logismatique et l'hérétique, c'est ceux qui, chez qui il y a division et colère, et donc Dieu n'habite pas. Dieu habite dans ceux qui cherchent la concorde, l'unité, dans la vérité et la charité. D'où le bon résumé de M. Hamann. C'est dans le guide thématique à la suite des traductions dans les évêques apostoliques, Père dans la foi 77, où il résume ainsi ce chapitre sur l'Église chez saint Ignace. Si Dieu, le Père, est un, si Jésus-Christ, chair et esprit, c'est-à-dire homme et Dieu, est un, leur œuvre, la plantation, fitia, la construction du Père, à son tour, doit être une. D'où la sévérité surprenante à l'égard de l'hérésie qui est division. C'est surprenant pour Hamann peut-être, mais évidemment, c'est pas vraiment surprenant, puisque les pères de l'Église prennent au sérieux l'unicité de l'Église, la nécessité des sacrements, de l'Eucharistie, etc., pour le salut. Donc, c'est pas surprenant qu'ils soient sévères envers ceux qui mènent des gens plus simples, plus ignorants, pas forcément un mauvais état d'esprit, hors de corps de l'Église, et donc hors de la possibilité de participer au sacrement salvateur, etc. Okay.
C'est une sévérité normale, en fait, et on l'observe chez tous les pères de l'Église. Donc elle est surprenante pour Aman, pas pour ceux qui lisent les pères de l'Église. Pourtant, il lisait les pères, mais bon, sans doute il se met à la place du lecteur moyen qui n'a pas l'habitude de lire les pères. C'est la négation de l'Église, c'est-à-dire la division. L'hérésie, la division, c'est la négation de l'Église. C'est pour ça que c'est une exclusion de l'Église. D'où l'insistance sur l'unité. Évidemment, si on commence à dire que on peut être dans l'Église tout en formant des parasynagogues dans tous les coins, tout en prêchant d'autres doctrines, tout en n'étant pas en communion avec les évêques établis canoniquement, etc., c'est la négation de l'Église et c'est exactement ce qu'est devenu le concept d'Église dans le milieu protestant, en fait. C'est le concept de l'Église dans le milieu protestant, c'est la négation de l'Église. C'est-à-dire, c'est l'état de schisme permanent et normal. C'est tellement normal qu'on reconnaît cet état comme légitime, on appelle ça des dénominations. Il y a l'Église et puis il y a les dénominations. Mais c'est un état de schisme permanent qui est la négation de l'Église, justement. C'est pour ça que l'unité de l'Église est manifestée par l'évêque et la réalité de l'Eucharistie, etc. C'est pas pour rien que tout ça a été remis en cause et rejeté par la majorité des protestants, parce que c'est ce qui fait l'unité de l'Église. Et quand on veut justifier l'état de schisme permanent et légitimer une ecclésiologie du schisme, eh bien, on remet en cause nécessairement la réalité dans les sacrements et dans l'Eucharistie, qui est le mystère de le sacrement de l'unité par excellence. On remet en cause le sacerdoce et l'épiscopat, les anglicans mis à part, évidemment. Il y a des subtilités quand on va dans le détail. Etc. quoi. Les sentences d'excommunication, le principe de synode des évêques, tout ce qui manifeste l'unité et la concorde dans l'Église, et qui dessine des frontières précises, justement, entre où est le corps de l'Église, où n'est pas le corps de l'Église, s'exprime cette icône de l'arche du salut, ou sur l'image qui est déjà chez Saint Pierre de la référence à l'arche de Noé, pour parler de l'Église, l'arche du salut, l'arche de Noé, dans les épîtres de Saint Pierre, donc. S'est développée cette icône de l'arche du salut qui représente l'Église. Donc on voit sur la barque ou la nef de l'Église le Christ, les saints pères, les saints moines, parfois il y a la très sainte mère de Dieu aussi. Et on voit qu'il y a des frontières précises et qu'en dehors de ces frontières, il y a les hérétiques, les persécuteurs, les schismatiques, etc. Et on voit au-dessus de la barque le Saint-Esprit. C'est une mise en image de cette idée du souffle d'incorruptibilité qui est contenu dans l'Église par les sacrements, par le sacerdoce, la succession apostolique, etc. Et on voit dans le coin en bas à gauche, sans doute Satan, les démons qui sortent de la bouche de l'Hadès, des enfers, et qui essayent de tirer des flèches, un coup d'arbalète sur la nef de l'Église, évidemment. Voilà d'autres extraits de l'introduction de Aman aux lettres de saint Ignace. Que représente l'Église évoquée au début de chacune de sept lettres d'Ignace? Elle est le prolongement de la visibilité, la présence du Christ sacrement du Père invisible dans l'histoire jusqu'à son achèvement, l'incarnation continue. Donc c'est une ecclésiologie incarnationnelle, évidemment. Comme toute ecclésiologie orthodoxe, l'Église est la continuation de l'incarnation par la célébration de l'Eucharistie, par la succession apostolique, etc., jusqu'à la fin des temps. La comparaison du corps proposée par saint Paul est reprise par l'évêque d'Antioche et correspond à sa vision. Par sa résurrection, il a élevé son étendard pour rassembler ses saints et ses fidèles en un seul corps, l'Église. Ou Smyrniote 1, 2. Seule l'unité de foi et d'agapé, cette charité organique qui vient de la vie trinitaire elle-même, permet de témoigner de cette unité de corps, dans et par la charité. Elle rassemble alors que l'hérésie et l'hérésiarque dispersent, d'où la réaction de rejet presque spontanée qu'il suscite chez l'évêque. Enfin, c'est pas un rejet spontané en soi des personnes, il y a toujours un rappel à l'ordre, une correction. On dit une fois, il y a un truc qui va pas, si ça persiste, on dit deux fois, et la troisième fois, comme dit l'évangile selon Matthieu, qu'il soit pour vous comme des païens et des publicains s'ils refusent d'écouter l'Église. Donc il y a quand même des mesures
de réconciliation qui sont d'abord mises en place, et s'il y a endurcissement et refus d'obéir ou de montrer de la bonne volonté et de l'humilité, évidemment, là, il y a rejet, puisque le risque ensuite, c'est que ce soit comme une gangrène qui prenne possession de tout le corps, alors si on ampute au bon moment, quand on ne peut plus soigner, il faut amputer. En gros, c'est toujours une des métaphores médicales qui est souvent utilisée par les pères de l'Église pour parler des anathèmes, ce que font les saints conciles, etc. Notamment, il me semble, dans la préface des synodicones de l'orthodoxie ou du synodicone du Saint-Esprit, un des deux, ça explique très bien cette fonction de l'anathème, des conciles qui anathématisent comme des chirurgiens qui amputent la gangrène pour éviter un mal encore pire. Et pour inciter au repentir, toujours dans l'espoir du repentir, hein. La personne se voit excommuniée, elle se dit « Ah là là, il y a quelque chose de grave », ça peut la pousser à se repentir. Alors que si on lui dit « Bon, on n'est pas d'accord avec toi, mais tout va bien, tu peux rester avec nous », il n'y a pas de mesure prise concrètement pour faire comprendre la gravité de la chose, et eh bien en fait on ne fait rien pour améliorer l'état de santé du corps. Unité visible d'un mystère invisible, exprimé, signifié en chaque communauté par l'évêque au sommet d'une hiérarchie ternaire, constamment rappelée. Ignace y revient avec une telle insistance, à temps et à contre-temps, parce qu'il y va de confesser l'unité du Christ et l'unité de Dieu. On a vu ça, c'est un très bon résumé. Unité de Dieu, du Père, unité du Christ avec le Père, unité de la Trinité, unité de l'Église, unité des chrétiens, unité des sacrements, etc. C'est tout à fait organique. Et il y a toujours un corps, on est dedans, on n'est pas dedans. Donc il y a toujours des frontières très claires. L'évêque fait l'Eucharistie, mais il est aussi vrai de dire que l'Eucharistie fait à l'évêque en sa fonction essentielle. L'un et l'autre rassemblent l'Église dans l'unité et la charité, Romains 2, 2, construisent l'unique corps mystique du Christ, chair et sang de Jésus-Christ, Tralien 8, 1. C'est un corps mystique, mais ça ne veut pas dire que c'est un corps fantomatique, fantasmatique. C'est quelque chose de très concret qui s'exprime par la communion, l'Eucharistie, et entre les églises locales, les échanges de lettres, la concélébration. On voit ça quand Ignace demande aux différentes églises d'envoyer un diacre ou un prêtre à l'église d'Antioche pour célébrer ensemble la paix revenue. Il y a quelque chose de concret dans cette organicité, dans cette communion. C'est pas une vue de l'esprit, c'est une vie dans l'esprit. Et on va comparer tout ce qu'on vient de voir avec un texte assez important dans l'histoire de l'ecclésiologie du catholicisme romain, Unitatis Redintegratio, signé par Paul VI et tout un tas de prélats du catholicisme qui ont signé à Vatican II ce document. Donc, ça fait partie des documents conciliaires de Vatican II, qui est daté du 21 novembre 1964. Alors voilà le préambule, c'est ce qui ouvre ce document. Je l'ai mis en entier sur la même diapositive, même si j'ai dû raccourcir un petit peu. C'est grosso modo ça. Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens. Déjà on voit qu'il y a un petit problème. Est l'un des objectifs principaux du Saint Concile œcuménique de Vatican II. Une seule et unique Église a été fondée par le Christ Seigneur. Donc, cette phrase est très bien. Vous allez voir ce qu'on appelle en général le double langage écuméniste. C'est l'art de dire une chose et son contraire de telle manière à ce que on contente à la fois des gens plus conservateurs, plus traditionnalistes, et à la fois des gens modernistes qui veulent complètement réformer l'Église, ce qui s'est passé à Vatican II. On donne un peu de pain aux traditionalistes, on donne un peu de pain aux modernistes, et on a une espèce de double langage qui essaye de faire croire qu'on garde toujours la même doctrine qu'à Vatican I précédemment, mais simplement on change des petites choses qui sont superficielles et pas l'essentiel. Mais en fait, on va voir que ça change essentiellement la vision de l'Église qu'avait le catholicisme romain. Mais pour pas que ça soit trop visible, évidemment, beaucoup de gens s'en sont rendus compte, mais
Malgré tout, sans doute beaucoup de gens aussi ne s'en sont pas rendus compte, puisqu'il y a ce langage serpentin, on va voir, qui avance, qui recule, qui dit une chose vraie et orthodoxe, et hop, suggère quelque chose finalement de tout à fait hétérodoxe derrière, mais tout en le recouvrant encore d'un petit vernis d'orthodoxie, donc on a du mal à suivre un petit peu. C'est ce qu'on va observer, et c'est ce qu'on peut appeler la duplicité serpentine de l'écuménisme. On va voir, je pense qu'on va avoir l'occasion de bien le montrer avec ce document. Et la même chose existe chez les écuménistes de tous les bords. Et c'est un bon exemple au niveau du magistère le plus fort et le plus haut en autorité dans le catholicisme romain, puisque c'est accepté en concile écuménique, ça fait partie des documents qui jouissent du charisme d'infaillibilité, d'indéfectibilité, etc. C'est du magistère extraordinaire et universel. Donc ça a la même autorité qu'un ex cathedra dans la théorie catholique romaine. C'est le pape ex cathedra plus le concile écuménique derrière. Donc, reprenons. La première phrase, il y a un problème, quoi. Restaurer l'unité entre tous les chrétiens. Donc manifestement, l'unité organique dont parle saint Ignace a été brisée, et donc les chrétiens ne sont pas unis, ce qui est impensable quand on lit les lettres d'Ignace. Il incite les chrétiens à rester unis, mais il leur dit qu'ils ont une unité qui n'est pas brisée par les schismes et les hérésies. Ensuite, on a une phrase qui est tout à fait orthodoxe. Une seule et unique Église a été fondée par le Christ Seigneur. Très bien. Quelles conséquences en tire-t-on? Et pourtant, plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héritage du Christ. Bon. Ça reste assez factuel, même si, du coup, appliquer le nom de chrétien à plusieurs communions qui se présentent comme le véritable héritage du Christ, qui suppose que la grande majorité d'entre elles n'est pas le véritable héritage du Christ, puisqu'il vient de dire qu'il n'y a qu'une seule Église, c'est déjà commencer à noyer un peu le poisson, à troubler un peu les eaux. Voilà, il y a plusieurs communions chrétiennes. Donc, contrairement à saint Ignace d'Antioche et à la majorité des pères de l'Église, là, on applique le terme de chrétien à quelque chose qui ne l'est pas ou qui ne l'est qu'en apparence. Tous, certes, confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur, mais ils ont des opinions différentes. Encore une fois, c'est factuel, mais comme le document dit que toutes ces communions sont chrétiennes, ça ouvre la porte à cette idée que, il suffit de se dire, de se confesser disciple du Seigneur pour mériter, au niveau le dogmatique le plus élevé qui est le concile œcuménique, le nom de chrétien. On n'est pas dans un contexte informel, on est dans le contexte le plus formel qui soit, un document, une constitution dogmatique, que sais-je, un document en tout cas qui parle de la foi, qui est signé par des évêques entre guillemets en concile œcuménique. Donc c'est le contexte le moins informel qui soit, et où les mots comptent beaucoup d'importance. Donc là, ils ont appliqué chrétien à plusieurs communions qui manifestement ne peuvent pas être toutes l'Église seule et unique. Et ils confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur, donc on a l'impression que chrétien, ça veut dire qu'on confesse qu'on est disciple, on est chrétien. Donc c'est une définition subjective du christianisme, qui n'est pas celle de saint Ignace d'Antioche, on a vu. Il dit c'est bien de porter le nom de chrétien, mais être chrétien, c'est mieux. Donc pour saint Ignace, être chrétien n'est pas porter le nom de chrétien. Ce sont deux choses distinctes. Mais ils ont des opinions différentes, c'est-à-dire des doctrines, des convictions de foi différentes. Alors comme on l'a vu avec saint Ignace, ceux qui ont des gnomées étrangères, ceux qui ont une gnomie, une pensée étrangère, deviennent étrangères à l'unité de l'Église, sont retranchés, n'ont pas la bénédiction de l'évêque. Et donc, ce fait même d'avoir des opinions différentes et de s'être séparés de la communion font qu'ils se donnent le nom de chrétien, mais ne le sont plus dans les faits, ils ne sont pas purs, ils n'ont pas bonne conscience, etc. On a vu tout ce que dit saint Ignace d'Antioche. Ils suivent des chemins divers, hein, c'est joliment dit, comme si le Christ lui-même était divisé. Mais bon, jusque-là, c'est assez factuel et on sent que le. L'idée, c'est de dire, voilà, il y a des divisions, il y a une seule Église, mais pourtant, regardez, il y a plusieurs gens qui se disent chrétiens, comme si le Christ lui-même était divisé. Donc là, le texte ne dit pas que le Christ est divisé, parce que ce serait trop gros, évidemment. Référence à 1 Corinthiens 1, 13. Ça serait trop gros de dire de but en blanc, regardez, le Christ est divisé. Ça serait contredire saint Paul, etc. Mais on va voir que c'est quand même ce que le texte dit.
malgré tout. Il veut le dire sans le dire et ne veut pas le dire tout en le disant. Il est certain qu'une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Donc voilà, on remarque que le fait qu'il y ait ces différentes confessions que le texte appelle chrétiennes est ouvertement contraire à la volonté du Christ. Et sans doute, c'est une allusion à Jean 17, etc., à la prière sacerdotale. Or, le maître des siècles, donc le Christ, qui poursuit son dessein de grâce avec sagesse et patience à l'égard des pécheurs que nous sommes, a commencé en ces derniers temps de répandre plus abondamment sur les chrétiens divisés entre eux l'esprit de repentance et le désir de l'union. Donc là, un paragraphe après, il écrit texto les chrétiens divisés entre eux. Premier paragraphe, il est écrit qu'une telle division s'oppose à la volonté du Christ. Et juste avant, comme si le Christ lui-même était divisé, donc on a l'impression que Unitatis Red Integratio dit, mais évidemment le Christ n'est pas divisé, donc cette impression est fausse, et on doit en conclure qu'il n'y a qu'une seule Église et que le Christ n'est pas divisé. Mais au paragraphe suivant, il parle des chrétiens divisés entre eux. Donc il y a vraiment une division parmi les chrétiens. Ce qui rejoint la première phrase, restauration de l'unité entre tous les chrétiens. Donc il y a des gens qui se disent les disciples du Seigneur, on les appelle les chrétiens, ils sont divisés entre eux, et on joue sur cette ambivalence du terme chrétien pour suggérer que même si le Christ n'est pas divisé, eh bien malgré tout les disciples du Christ, en tout cas ceux qui se confessent disciples du Christ, sont divisés entre eux. Et apparemment, ils reçoivent tous, ces gens-là, un esprit de repentance, un désir de l'union qui vient du Christ. Une espèce de grâce qui est répandue. Ces derniers temps, c'est le charismatisme écuméniste. Il y a toujours un côté charismatique dans l'écuménisme, puisque c'est un esprit nouveau. On ne fait plus comme avant, c'est un nouvel esprit. Il faut suivre le temps et l'esprit du temps. C'est une espèce de joachimisme ecclésiologique. Très nombreux sont partout les hommes qui ont été touchés par cette grâce. Donc, le texte dit clairement que c'est une grâce qui touche les chrétiens divisés entre eux. C'est une grâce qui touche non seulement une seule et unique Église, dont dit le premier paragraphe, mais aussi les plusieurs communions chrétiennes qui confessent qu'ils sont les disciples, mais qui ont des opinions différentes. Donc ce qu'on appelle traditionnellement des schismatiques et des hérétiques. Et ils ont tous touché par cette même grâce, et sous l'effet de la grâce de l'Esprit Saint, est né un mouvement qui s'amplifie de jour en jour chez nos frères séparés, en vue de rétablir l'unité de tous les chrétiens. Répète l'image qui ouvre le préambule, restauration de l'unité entre tous les chrétiens, qui est un non-sens si on utilise les mots au sens patristique, évidemment. Quand Saint Ignace d'Antioche parle du christianismos, c'est là où le terme apparaît en premier, c'est dans ses épîtres, il parle de la doctrine du Christ enseignée dans l'Église par les évêques orthodoxes, etc. Et quand il parle du nom de chrétien, il parle de ceux qui vivent vraiment dans le Christ, donc qui sont en union avec l'évêque, dans la vraie foi et la charité, etc. Donc, il y a toujours un contexte complètement intra-ecclésial et orthodoxe. La seule restauration de l'unité dont on peut parler dans l'ecclésiologie de Saint Ignace d'Antioche, c'est le retour par le repentir des schismatiques et des hérétiques à l'unité de l'Église. On a vu ça. Epitinenotitatis ecclesias. Grâce au repentir, grâce aux prières de l'Église pour eux, et non avec eux, même si c'est difficile, hein. Oper vis colon, estin, c'est possible, etc. On a vu tout ça. Mais là, Unitatis Redintegratio nous dit que non, il y a en quelque sorte, même si c'est pas expliqué clairement pourquoi encore, il y a des chrétiens en dehors de l'Église et ils ont des opinions différentes, ils sont pas en communion avec le catholicisme romain, etc. Mais ils confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur. Ils sont chrétiens et ils sont pas en union avec nous, donc ils sont divisés. Donc il y a une division parmi les chrétiens. On voit comment on a déjà commencé à relativiser l'unité organique de l'Église quand on dit ça. D'où l'expression nos frères séparés. Cette expression sortie absolument de nulle part, et qui aurait fait sursauter sans doute Pie IX, ou n'importe quel pape, évidemment, entre guillemets, tradit avant Vatican II. Les frères séparés. Donc ce qu'on a vu chez Saint Ignace d'Antioche, ceux qui créent des schismes, ceux qui créent des hérésies, ceux qui ont des opinions étrangères, etc., qui ne sont pas la plantation du Père, etc., sont des frères séparés. Et rappelez-vous ce que disait Tertullien dans le Prescriptione Hereticorum. De Prescriptione Hereticorum, il dit que
Échanger le nom de frère, c'est quelque chose qui existe entre les sièges apostoliques, qui ont la succession apostolique et qui conservent la même foi. Et c'est cette unité dans la foi qu'ils manifestent, qui sont l'Église, et qu'ils peuvent partager ce nom de frère, qu'on célèbre, qu'ils ont une seule tradition, la tradition d'un seul mystère, etc. On a vu ce très beau passage de Tertullien. Comparé avec ça, nos frères séparés, rétablir l'union de tous les chrétiens. On a déjà commencé à dire dans ce texte que le Christ est divisé, finalement. Même si le paragraphe dit comme si le Christ lui-même était divisé, un paragraphe après, on a l'impression que c'est le cas. Le Christ est divisé, regardez, puisqu'il y a des frères séparés. Si c'est des frères, ils sont frères en quoi? Sous-entendu en Christ, mais ils sont séparés. Donc il y a une division dans l'unité en Christ. À ce mouvement vers l'unité, c'est un mouvement vers l'unité, donc il n'y a pas d'unité. Il y a une unité souhaitée, future, potentielle, une sorte d'unité du grand soir, marxiste, mais l'unité vécue, manifestement, même si on va voir que selon Vatican II, il y a un mode sous lequel il y a une unité vécue parmi toutes ces communautés, ces dénominations, en quelque sorte. On a presque une approche protestante des choses. Mais pour l'instant, on souligne déjà le fait qu'il y a une séparation. Donc il y a un mouvement vers l'unité visible. L'unité visible, qu'on appelle le mouvement écuménique, prennent part ceux qui invoquent le Dieu Trinité et confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, non seulement pris individuellement, mais aussi réunis en communauté dans lesquelles ils ont entendu l'Évangile et qu'ils appellent leur Église et l'Église de Dieu. Là encore, le texte commence avec un point de vue assez distant. Alors, ces communautés, ils les appellent leur Église et l'Église de Dieu, donc on a l'impression qu'il y a une distance. C'est pas ce que dit le Vatican. Le Vatican donne l'impression qu'il ne les considère pas vraiment comme des Églises et l'Église de Dieu, ce qui serait cohérent avec la deuxième phrase du préambule. Hein. Une seule et unique Église a été fondée par le Christ Seigneur. Mais on va voir plus loin que de la même façon qu'ils ont commencé par dire « alors ils confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur » et juste après on les appelle des chrétiens divisés et des frères séparés, de la même façon... le texte commence par dire ils appellent leur église, ils appellent ça leur église et l'église de Dieu, et plus loin il va carrément utiliser le mot église comme si c'était accepté par tous que maintenant que le mot a été introduit, ce sont en réalité bien des églises de Dieu. Espèce d'approche assez réfléchie sans doute, mais très, très malhonnête, très étrange, une sorte de manipulation des mots. Alors on commence par se distancer, puis après on reprend le mot une fois qu'il a été introduit, comme s'il n'y avait plus aucune distance. Presque tous, cependant, bien que de façon diverse, aspirent à une Église de Dieu, une et visible, vraiment universelle. Donc là, c'est une aspiration de ces frères séparés, ce qui est une seule Église de Dieu, une et visible, vraiment universelle, c'est-à-dire l'Église, en fait. Non. Une seule et unique Église a été fondée par le Christ Seigneur, premier paragraphe. Troisième paragraphe, tous ces gens-là dans le mouvement œcuménique aspirent à une Église de Dieu, une et visible, vraiment universelle, alors que le Christ en a fondé une, justement. Donc ils aspirent à quelque chose que le Christ a déjà fait. On remarque déjà qu'il y a quelque chose de problématique. Envoyé au monde entier pour qu'il se convertisse à l'Évangile et qu'il soit ainsi sauvé pour la gloire de Dieu. Oui, c'est exactement ce que le paragraphe indique que le Christ a fait au premier siècle. Donc on pourrait en conclure que ce mouvement œcuménique, manifestement, il y a un problème. Il ne se rend pas compte que le Christ a déjà fait ça au premier siècle et qu'il faut rejoindre l'unité de l'Église. Mais ce n'est pas du tout le raisonnement que va avoir Unitatis Redintegratio. Même s'il a fermé cette vérité fondamentale à la deuxième phrase du préambule. Voilà pourquoi le Concile, considérant avec joie tous ces faits, donc là déjà on est assez atterré, manifestement le Concile ne comprend pas qu'il y a un problème, après avoir exposé la doctrine relative à l'Église, pénétré du désir de rétablir l'unité entre tous les disciples du Christ. Là vous voyez ce qui vient d'être fait. Hein. Premier paragraphe. Tous certes confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur. Distanciation. Dernier paragraphe, rétablir l'unité entre tous les disciples du Christ. Aucune distanciation. Veut proposer à tous les catholiques les moyens, les voies et les modes d'action qui leur permettront à eux-mêmes de répondre à cet appel divin et à cette grâce. Et là, on revient sur le joachimisme, charismatisme derrière tout ça, qui est quelque chose qui dépasse manifestement pour le texte le corps du Christ fondé au 1er siècle, qui serait pour eux le catholicisme romain.
s'ils croient ce qu'ils disent dans leur credo. Mais là, il y a un appel divin, il y a une grâce qui est supra-ecclésiale, on peut dire. Il est à la fois supra-ecclésiale et intra-ecclésiale, puisque l'ecclésiologie n'est pas très claire encore. On se dit, bon, il y a une seule église, mais en même temps, il y a des communions chrétiennes en dehors, et c'est des frères divisés, c'est des disciples du Christ, donc est-ce que c'est pas aussi finalement l'église? Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intra-ecclésial qui est extra-ecclésial et supra-ecclésial à la fois? On voit la confusion qui a été semée en quelques paragraphes dans l'ecclésiologie patristique et orthodoxe. Quand on vient de voir un exemple très clair dans les lettres de saint Ignace d'Antioche, dont on a vu des exemples qu'on pourrait souligner encore plus chez saint Irénée de Lyon, saint Clément de Rome et Tertullien. C'est déjà un texte assez effarant, ce préambule, je trouve. C'est un très bon texte juste pour analyser comment les choses comment les jalons pas à pas sont posés, en partant de une phrase ou deux qui sont correctes, et comment on déplace petit à petit la sémantique des mots, comment on déplace la distance par rapport aux choses qui sont affirmées, comment on pose une distance puis on l'abolit ensuite, c'est assez impressionnant. On va continuer. Chapitre 1, paragraphe 3, des relations entre les frères séparés et l'Église catholique. Et déjà, voilà, ils ont réussi à adouber cette expression de frères séparés, qui ne fait aucun sens ecclésiologique, puisque on a vu que la fraternité et l'amour fraternel, la philadelphia, non pas saint Clément de Rome, elle prend tout son sens dans la communion des églises apostoliques. Et ensuite, comme dit Tertullien, celles qui n'ont pas une succession qui remonte aux apôtres, mais qui prennent leur foi de la bouture apostolique donnée par les sièges apostoliques, sont elles-mêmes appelées apostoliques par la consanguinité de la foi. Donc on voit très bien comment ça fonctionne chez les pères des premiers siècles qu'on vient de voir. Là, non, il y a des opinions diverses, il y a des chemins divers, entre guillemets, et pourtant, cela ne semble pas empêcher le nom de frère. Donc il y a une fraternité, il y a une philadelphia supra-ecclésiale maintenant. On n'est déjà plus dans l'évangile. Dans cette seule et unique Église de Dieu, donc manifestement là il parle de l'Église au 1er siècle, hein, puisque le préambule reconnaît que le Christ a fondé une Église, dans cette seule et unique Église de Dieu, sont apparues dès l'origine certaines scissions. 1 Corinthiens 11, 18-19, Galates 1, 6-9, 1 Jean 2, 18-19, etc. Etc. On pourrait citer saint Irénée, saint Ignace, que l'apôtre réprouve avec vigueur comme condamnable. En effet, 1 Corinthiens 1, 11 et 11, 22. Donc là, on a un bout de phrase qui est tout à fait vrai et orthodoxe. Il y a eu des divisions qui sont condamnables. Au cours des siècles suivants, on acquiert des dissensions plus graves. On ne sait pas pourquoi elles sont plus graves. Bon. Et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois par la faute des personnes de l'une de l'autre partie. Alors là, il y a des choses à dire. Donc elles sont plus graves en termes de nombre, sans doute, c'est ce que veut dire le texte. Il y a eu plus de gens, c'était pas juste des petites sectes dans les coins, c'était plus des groupes plus conséquents, d'accord? Des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique. Et donc, il faut vraiment souligner pleine communion, ça est très important pour comprendre le patchwork ecclésiologique de Vatican II. Chez saint Ignace d'Antioche, il y a la communion, il y a l'Eucharistie, et il y a ceux qui s'en séparent. Là, on va noter, on a une pleine communion de l'Église catholique. Donc l'Église fondée par le Christ au 1er siècle, elle a une pleine communion, des gens s'en séparent. Et c'est parfois la faute de ceux qui s'en séparent, et c'est parfois la faute de ceux qui ne s'en séparent pas, ce qui est assez hallucinant. Bon, on veut bien que le mal soit partagé au niveau comment dire, du plan humain. Les altercations, etc. Il peut y avoir des choses qui n'ont pas été bien faites de part et d'autre. Mais aller jusqu'à dire que le schisme est la faute de personnes qui, elles, n'ont pas schismé, que c'est leur faute s'il y a des schismatiques, là, c'est quand même pas ce que dit saint Paul dans 1 Corinthiens, Galates, 1 Jean. Il leur dit pas, mais c'est de votre faute s'il y a des schismes. Il dit pas à ceux qui restent attachés à la vraie foi que c'est de leur faute s'il y a des hérésies et des schismes. Non, non, saint Paul leur dit que ça a été prédit par le Christ, qu'il fallait que le scandale arrive,
Il fallait que des hérésies déchissent, c'est exactement par ça que commence Tertullien aussi. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive, donc malheur à Judas et malheur aux schismatiques. C'est très bien expliqué par Tertullien au début de son traité, mais là déjà Vatican II explique que non, en fait, ça peut être la faute aussi complètement de ceux qui ne sont pas schismatiques. Et ça va être un leitmotiv de comment le mouvement œcuménique explique le schisme. C'est une faute des deux côtés, c'est un manque de charité, de communication, etc. C'est plus du tout parce que des gens suivent des fausses doctrines, parce que des gens suivent des charlatans ou des schismatiques qui sont dans un esprit de division, qui refusent de se soumettre à l'évêque, etc., etc. Non, 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 c'est à cause de fautes de part et d'autre. Il y a eu une chamaillerie, sans doute. C'est un problème d'humilité. Il n'y avait pas assez d'humilité des deux côtés, etc. Et c'est ça qui explique la séparation. Ça, c'est la grande thèse du mouvement œcuménique qu'on ne trouvera jamais chez les pères de l'Église. Je veux dire, chez les pères de l'Église, si les schismatiques sont un schisme, c'est surtout de leur faute. Parce que même s'il peut y avoir des accrocs. Et des comportements excessifs au sein de l'Église, malgré tout, il y a toujours un appel au repentir. Quand on voit saint Augustin avec les donatistes, saint Opta avec les donatistes, saint Ambroise avec les novatianistes, il y a toujours un appel au repentir, il y a toujours un appel à revenir, etc. Donc ceux qui refusent cet appel, c'est de leur faute. C'est pas de la faute de saint Ambroise, de saint Augustin, etc. Ça, il faudra le répéter. On prend quelque chose qui peut être vrai et on lui donne une proportion qui la rend fausse, en fait. Il peut y avoir un accroc entre deux personnes avec des échanges partagés, mais quand ça se transforme en schisme qui dure des siècles, c'est plus des torts partagés. Il y en a qui ont eu tort de se séparer et il y en a qui sont restés dans la tradition. À partir de là, on ne peut pas dire que c'est des torts partagés ou que la faute vient des deux côtés. On verra que ça s'applique au grand schisme entre le catholicisme et l'orthodoxie, enfin, qui a donné naissance au catholicisme en tant que groupe à part, hors de la communion des sièges apostoliques orientaux. Ensuite, où en étions-nous? Il y a beaucoup de choses à expliquer en sous-titres, en fait. Ceux qui naissent aujourd'hui dans de telles communautés, donc des schismes, et qui vivent de la foi au Christ. Petit problème, hein. Souvenez-vous de ce que dit saint Ignace d'Antioche, ceux qui sont en dehors de l'Eucharistie légitime ont mauvaise conscience, sont pas purs de conscience, évidemment, il parle de gens qui ont schismé de leur vivant. Mais il est très clair qu'ils ne vivent pas ils ne vivent pas de la foi au Christ, puisqu'ils sont séparés du corps du Christ, et qu'ils doivent être réintégrés pour vivre selon le Christ. Là, on voit déjà que c'est pas très ignatien de dire que ceux qui se sont séparés de l'Église catholique vivent de la foi en Christ, ne peuvent être accusés de péché de division. C'est vrai. C'est pas eux qui ont créé la division. Et l'Église catholique les entoure de respect fraternel, il y a peut-être encore un petit problème, et de charité. Donc on voit que le mot de frère n'est plus du tout. Enfin, à la fois, il reste ecclésiologique, mais il n'est plus exclusif à l'Église catholique, au sens originel, la catholique ecclésia, on a vu chez saint Ignace d'Antioche, il utilise ce terme-là. Le terme de frère, à la fois, n'est plus utilisé exclusivement pour ceux qui sont dans l'Église, et en même temps, il conserve quelque chose d'ecclésiologique, de telle sorte que l'Église existe en dehors de l'Église. C'est tout le subterfuge écuméniste. Et donc, il y a un respect fraternel, pas au sens humain, humaniste, mais au sens ecclésiologique. Ça deviendra plus clair au fil du texte. Ce sont pas des frères simplement dans l'espèce humaine, ce sont des frères dans le Christ, et donc, et des disciples du Christ, et donc il y a quelque chose du corps du Christ qui peut leur être attribué, et donc c'est un respect fraternel dû à ça. Donc on conserve quelque chose d'ecclésiologique qui n'est plus exclusif à l'Église. Ça doit vous faire penser à Calvin, aux éléments d'ecclésialité qui sont par-ci par-là dans les différentes institutions et qui sont l'Église, mais qui ne sont pas exclusifs à une institution en particulier. Et de charité, là aussi le mot charité, caritas, qui traduit traditionnellement le grec agapi, n'est plus du tout exclusif à l'Église, comme chez saint Ignace d'Antioche, où la charité c'est quelque chose qui est lié à la communion dans l'Église entre les frères.
mais ça garde quelque chose d'ecclésiologique puisque c'est une charité qui concerne des frères séparés. Oui, le subterfuge est complet. Il y a des frères divisés, donc il y a une charité envers eux à avoir et un respect fraternel à avoir, même s'ils n'ont rien à voir avec la communion de l'Église. En effet, ceux qui croient au Christ, ça c'est quelque chose de subjectif en fait, c'est comme porter le nom de chrétien, dire je crois au Christ, quel Christ, c'est la question, et qui ont reçu validement le baptême, un élément très important, se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique. Donc là, vous avez la théorie qui est plus précisée. On a pleine communion plus haut, et là, on a une certaine communion, imparfaite, avec l'Église catholique. Donc, l'ecclésiologie de Vatican II, c'est l'Église catholique, le catholicisme romain et l'Église fondée par le Christ. Il y en a qui s'en sont séparés. Nous, on a la pleine communion. Eux, ils ont une communion imparfaite. Mais ils ont une communion quand même. Et c'est pour ça qu'on les appelle frères séparés, c'est pour ça qu'on a un respect fraternel et de la charité, ecclésiologiquement parlant. Et ça justifie le mouvement œcuménique. Le fait qu'il y ait une certaine communion imparfaite qui, de fait, persiste et existe, malgré le schisme et l'hérésie. Comparé avec saint Ignace d'Antioche, je pense que vous comprendrez que ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de communion imparfaite, ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de Christ imparfait, il n'y a pas de corps du Christ imparfait, il n'y a pas une confession de foi imparfaite, mais qui reste une foi en Christ. Hein. Pour saint Ignace d'Antioche, on ne croit pas au Christ si on n'a pas la foi des apôtres. Donc, il y a quelque chose qui, détruisant l'ecclésiologie traditionnelle, va remonter à la christologie. Il y a un problème de christologie qui se manifeste, c'est-à-dire que le préambule dit « Ah, comme si le Christ était divisé », et là, ce qui vient d'être dit prouve que le Christ doit être divisé, quelque part, puisque, au sens de la pleine communion, elle n'existe pas, mais il y a toujours une foi au Christ, il y a toujours une fraternité en Christ, il y a toujours une certaine communion imparfaite, donc, en quelque sorte, il y a un corps du Christ plein et un corps du Christ imparfait. C'est la conclusion christologique de cet enseignement-là. Jugez si c'est orthodoxe. Assurément, les divergences variaient entre eux et l'Église catholique, donc ceux qui auraient la pleine communion, sur des questions doctrinales. Donc, des divergences variées sur des questions doctrinales, c'est ce qu'on appelle des hérésies. C'est le mot technique, mais on ne va jamais prononcer ce mot dans ce document, de même qu'on ne va jamais prononcer le mot schismatique. Au lieu de dire schismatique, on va dire qu'il y a eu des dissensions plus graves et une séparation de communautés considérable. Au lieu de dire des hérésies, des hérétiques, on va dire qu'il y a des divergences sur des questions doctrinales. Et ça, c'est du double langage, en fait. Ça dit la même chose, c'est comme si ça donnait la définition, mais sans poser le mot lui-même. Parfois disciplinaire, donc ce serait plus des causes de schisme, ou sur la structure de l'Église, mais la structure de l'Église n'est-elle pas une question doctrinale finalement? C'est-à-dire si elle suppose une autre ecclésiologie, une autre théologie de l'Église, constitue nombre d'obstacles, parfois fort graves, à la pleine communion ecclésiale. Donc on peut tomber dans des hérésies qui sont fort graves, mais avoir une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église. C'est la grande théologie, nouvelle théologie de Vatican II sur l'Église. Évidemment, Vatican I ne dit pas du tout ça, et des textes très clairs du catholicisme romain plus ancien ne disent pas du tout ça. Je renvoie la bulle Unam Sanctam de Boniface VIII au début du XIVe siècle, qu'on ne peut pas faire plus ex cathedra en termes de comment la chose est écrite, et le document qui s'appelle Cantate Domino du Concile de Florence, qui est un concile œcuménique dans le catholicisme romain, et qui est du pape Eugène IV, lisez Unam Sanctam, lisez Cantate Domino, et revenez à Unitatis Redintegratio, regardez si ça tient la route. Pourtant, ce sont des documents qui ont à peu près une égale autorité normalement. Enfin, peut-être que certains vont discuter le caractère ex cathedra ou non de Unam Sanctam, mais entre Cantate Domino du Concile de Florence et Unitatis Redintegratio de Vatican II, normalement c'est exactement le même niveau de magistériel d'autorité. Donc c'est infaillible, etc., etc.
Pourtant, Cantate Domino ne dit pas que les schismatiques et les hérétiques sont dans une certaine communion bien qu'imparfaite avec l'Église catholique et le reste, ce qu'on dira ensuite. Il ne dit pas qu'il y a des frères séparés non plus. Mais bon, là, le texte nous explique qu'il y a des divergences doctrinales, donc des hérésies, et c'est ce qui empêche la pleine communion ecclésiale. On a bien vu que la pleine communion ecclésiale, dans le langage de Vatican II, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de communion du tout. Enfin, ça ne veut pas dire que sans cette pleine communion, on est hors de la communion. Ça veut juste dire qu'au lieu du plein, on a quelque chose de partiel, d'imparfait, de pas complet. Et ça, c'est à proprement parler, l'hérésie œcuméniste façon Vatican II, qui malheureusement pollue l'Église orthodoxe depuis des décennies. Donc ne vous laissez pas avoir quand quelqu'un dit oui, et non pas la plénitude de la vérité, parce que la question c'est pas est-ce qu'ils ont la plénitude de la vérité, la question c'est est-ce qu'ils ont la vérité tout court. C'est la question patristique, la question que poserait Saint Marc d'Éphèse par exemple, etc. Est-ce qu'ils ont la vérité, tout simplement? Est-ce que la vérité chrétienne peut être imparfaite? C'est le genre de question que poserait quelqu'un d'orthodoxe. Si la personne dit oui, on peut avoir une vérité imparfaite, on a des bouts de vérité et puis des bouts de choses pas bien, bon là vous savez que c'est pas orthodoxe. Si la personne dit non, quand je dis la plénitude, je veux dire toute la vérité, et rien que la vérité, et en dehors de la plénitude, il n'y a rien, bon là vous savez que l'expression était utilisée sans déformation de la foi. Mais on joue sur l'ambiguïté de cette expression pour faire croire aux orthodoxes un peu simples, qui ne comprennent pas les clés du double langage, que oui, vous inquiétez pas, on a la plénitude, on ne dit pas le contraire, on a la plénitude de la vérité. Mais en soupape, en sous-texte, ça veut dire mais ces gens-là ont aussi une part de la vérité. C'est quelque chose qui sera clairement dit par le patriarche Athénagoras, par exemple, qui est justement le patriarche de Constantinople contemporain de Paul VI. Il ira même plus loin, il me semble que le patriarche Athénagoras disait carrément que oui, il y a la même vérité finalement. C'est ce qui allait encore plus loin que le double langage qui est plus courant de nos jours. Oui, il y a la plénitude là, et puis là, il y a l'implénitude. Et en fait, cette distinction entre la plénitude de la vérité et l'implénitude de la vérité est tout à fait lié à cette distinction qu'on voit à Vatican II entre la plénitude de la communion et l'implénitude de la communion. Et c'est cette distinction qui est au centre de l'hérésie ecclésiologique qui est à l'œuvre dans le mouvement œcuménique. Poursuivons. Le mouvement œcuménique tend à les surmonter. Donc il tend à surmonter les obstacles à la pleine communion pour réaliser cette pleine communion. Mais en même temps, il a dit juste avant que ceux qui sont séparés de l'Église catholique se sont séparés de la pleine communion de l'Église catholique. Donc on voit là aussi qu'il y a une ambivalence entre ce que pleine communion veut dire. D'un côté, pleine communion, c'est ce qui existe dans l'Église catholique fondée par le Christ, on serait d'accord. Tout en entendant que pleine communion, c'est la communion tout court, puisqu'elle est forcément pleine. L'Eucharistie est forcément pleine. Le Christ est forcément plein, etc. Et ensuite, il est question de pleine communion, mais dans un sens un peu hypothétique, c'est-à-dire la pleine communion visible qui aura lieu quand le mouvement œcuménique aura produit des fruits. Puisque là, il est question, dans la deuxième utilisation, d'obstacles à cette pleine communion. Donc elle n'existe pas encore, puisqu'il y a des obstacles à cette pleine communion. Voilà, encore double jeu, double langage. La pleine communion, quelque chose qui existe dans l'Église. La pleine communion, quelque chose qui n'est pas encore réalisé, mais qui doit être réalisé. Après que les efforts suffisants dans le mouvement œcuménique auront été fournis, alors on pourra parler de pleine communion, etc. Et c'est clairement expliqué que c'est ce que le mouvement œcuménique tend à surmonter, donc à surmonter l'absence de la pleine communion. Néanmoins, justifié par la foi reçue au baptême, oui, j'ai oublié de parler de ça, juste avant, il était dit, ils ont reçu validement le baptême. Donc l'un des fondements théologiques de cette nouvelle ecclésiologie, c'est l'idée de la validité du baptême en dehors de l'Église. Et en jouant sur l'ambiguïté de ce terme de validité, en fait. Alors que dans l'histoire de la mystériologie, de la sacramentologie catholique romaine, c'est un concept important où il y a des distinctions. La validité, c'est pas la même chose que la légitimité. La légitimité, la validité, c'est pas la même chose que l'efficacité, etc. Et on verra comment tout ça remonte à saint Augustin, mais que saint Augustin n'a pas du tout la même ecclésiologie que Vatican II. Mais
Saint Ignace d'Antioche, lui, n'a pas cette distinction. Hein. Ce qui est veveos, ce qui est valide, c'est ce qui est légitime, et c'est ce qui est réel aussi. Donc quand il dit qu'il n'y a qu'une seule Eucharistie qui est vévère, hein, ça veut dire que l'autre Eucharistie qui n'est pas bénie n'est pas vévère. Et donc elle n'est pas valide, elle n'est pas légitime, elle n'est pas réelle, etc. Et ce serait la même chose pour le baptême, il n'en parle pas en particulier, donc on peut pas le savoir. En tout cas, sur l'Eucharistie, c'est assez clair. Mais pour un certain nombre de pères de l'Église, c'est vrai pour tous les sacrements. Mais en Occident en particulier, une autre manière d'aborder cette question s'est développée face à la controverse avec les donatistes. On ne va pas rentrer dans le détail de ça, c'est très compliqué. Pour Vatican II, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont reçu validement le baptême, et on va jouer sur l'ambiguïté de cette notion de validité, pour suggérer que c'est pas simplement qu'ils ont reçu validement le baptême, mais c'est qu'ils ont reçu effectuellement, salvifiquement le baptême. Ce sera affirmé plus loin. Et donc là, on revient là-dessus, c'est le fondement sur lequel, en fait, on peut parler de frères séparés. S'ils sont vraiment baptisés, réellement baptisés, ils ont réellement revêtu le Christ, comme dit saint Paul, et donc, ce sont des frères. Simplement, ils sont séparés, ils n'ont pas la pleine communion, et tout le blabla qu'on a déjà vu. Et donc le document affirme qu'ils ont vraiment reçu le baptême, donc ils sont incorporés au Christ. Donc on voit que la validité reconnue au sacrement du baptême en dehors de l'Église fait qu'ils sont vraiment, réellement incorporés au Christ, donc ils sont dans le corps du Christ, qui n'est plus une catégorie exclusive de l'Église catholique, manifestement. Et là, il y a une référence au Concile de Florence, session 8, décret Exultate Deo. Donc sans doute on voit que la sacramentologie qui s'est développée en Occident à partir de la controverse contre les donatistes, peut-être déjà avant, a abouti petit à petit à cette idée qu'il y a des gens dans le corps en dehors du corps. Et de fait, ça remonte au moins à saint Augustin. Mais saint Augustin n'en tire pas les mêmes conclusions quant à l'efficacité des sacrements. On verra ça. Mais c'est vrai que déjà, chez saint Augustin, il y a cette chose étrange que les schismatiques... Alors, il parle des schismatiques. Est-ce qu'il aurait dit la même chose des hérétiques? Je ne sais pas. Il parle des donatistes en disant qu'ils sont quand même toujours dans le corps. Et en même temps, il dit qu'ils ne sont pas en communion avec le corps. Donc, cette idée de communion imparfaite peut être déduite de la sacramentologie d'Augustin. Mais ceci dit, ça n'a jamais été affirmé tel quel dans un concile écuménique, où c'est pas l'approche qu'ont les pères de l'Église en Orient et même parfois en Occident avant, saint Cyprien de Carthage et d'autres. Mais c'est une distinction qui a été mise en avant contre les donatistes, et elle a des conséquences assez terribles par la suite. Qui n'était pas dans l'intention de saint Augustin, évidemment. Donc, du fait qu'ils sont incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétien. Donc là, c'est clairement expliqué que c'est pas simplement qu'ils se disent les disciples du Christ, et que donc, subjectivement, on peut les appeler chrétiens dans un sens subjectif. Non, non, non. Ils portent à juste titre le nom de chrétien. Donc c'est une réalité objective, puisqu'ils sont incorporés au Christ. Là, on a clairement affirmé quelque chose qui plante un concept du chrétien hors de l'Église. Donc le frère séparé, c'est pas une expression fleurie, il y a réellement des frères séparés. Ils sont réellement frères en Christ, ils sont réellement dans le corps, mais ils n'ont pas la pleine communion. Juger si c'est une ecclésiologie patristique, on peut voir comment ça peut fleurir par développement successif de la vision de la distinction d'Augustin, mais évidemment ce n'est pas non plus réellement l'intention d'Augustin, ces conclusions-là. C'est un peu utiliser l'augustinisme contre Augustin. Mais donc les fils de l'Église catholique, donc ceux qui ont la pleine communion, les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Donc quand on parle de frères en Christ, de frères séparés, on parle de frères dans le Seigneur. Et là, il y a une référence à saint Augustin sur les psaumes 32 et narratio 2, 29. Je ne suis pas allé voir
de quoi il retourne dans ce texte. Il faudrait voir le contexte et la phrase en particulier. En tout cas, on va montrer d'autres passages d'Augustin qui sont assez clairs. Ensuite, dans le même chapitre, on continue. De plus, parmi les éléments ou les biens par l'ensemble desquels l'Église se construit et est vivifiée, plusieurs, même beaucoup, de grandes valeurs peuvent exister en dehors des limites visibles de l'Église catholique. Donc, Calvin avait raison, finalement. Jean Calvin avait raison. Il y a des éléments d'ecclésialité. Évidemment, on peut déjà le théoriser d'après la sacramentologie catholique romaine plus ancienne. S'il y a un baptême valide, si un vrai sacrement peut exister hors de l'Église, il y a des éléments d'ecclésialité hors de l'Église. Donc ça, c'est réaffirmer quelque chose qui était déjà un développement plus ancien, mais en le réorientant d'une manière qui, par contre, elle est nouvelle. La parole de Dieu écrite, la vie de grâce, et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait contraire à saint Augustin. La vie de grâce n'est pas chez les donatistes. On verra ça. Et la manière dont c'est utilisé ici, il y a cette idée qu'il y a des sacrements valides hors de l'Église, donc il y a des éléments d'ecclésialité hors de l'Église, et donc il y a la vie de grâce. Il y a la foi. C'est assez étonnant. Quelle foi peut-il y avoir si il y a des divergences doctrinales? Donc certainement pas la foi apostolique. L'espérance et la charité, encore une fois, parce qu'on a désecclésiologisé ou désexclusivisé leur sens. Donc on n'est plus dans le sens évangélique de ces termes. D'autres dons intérieurs du Saint-Esprit. Donc il y a carrément des dons intérieurs du Saint-Esprit en dehors de l'Église. Des charismata. Pas sûr que saint Paul aurait été d'accord. Et d'autres éléments visibles. Oui, mais des éléments visibles, évidemment, c'est pas la même chose de dire qu'il y a des éléments visibles qui ressemblent à ceux de l'Église et de dire qu'il y a la vie de grâce. Mais là, c'est affirmé en bloc. Tout ça est vrai en même temps. Donc il n'y a pas simplement des éléments visibles, il y a des éléments invisibles, puisqu'il y a les dons intérieurs du Saint-Esprit, il y a la vie de grâce, tout ça c'est spirituel. Tout cela qui provient du Christ et conduit à lui, puisqu'il y a la vie de grâce, ça conduit au Christ, appartient de droit à l'unique Église du Christ. Hein. Donc ça appartient de droit à l'Église catholique, vous inquiétez pas les tradis, ça appartient à nous, hein, vous inquiétez pas. Mais, vous inquiétez pas les modernistes, les autres y participent aussi malgré eux, puisqu'ils ont une communion imparfaite. Donc, ça nous appartient de droit, ce que disait déjà Tertullien des Écritures de tout ça, mais Tertullien disait ça en contraste des hérétiques, pour leur dire ça ne vous appartient pas de droit, donc vous n'avez pas le droit de nous expliquer ce que c'est les Écritures, ou de prétendre à être l'Église, ou de prétendre au nom de chrétien, c'est très clair chez Tertullien. Là, on a exactement le raisonnement inverse. Ça appartient de droit à l'Église, mais ils l'ont aussi, donc, quelque part, ils ont aussi ce qu'a l'Église. Et par là, dans un certain sens, ils sont aussi l'Église. Ce qu'on va voir au paragraphe suivant. De même, chez nos frères séparés s'accomplissent beaucoup d'actions sacrées de la religion chrétienne. Tout ça vient du ex opere operato, l'idée que le sacrement a sa propre valeur en lui-même, donc même si des gens le font sans légitimité, ils le font validement. Il y a cette distinction dans la sacramentologie qui remonte à saint Augustin, ce qui est valide, ce qui est légitime, sauf que pour Vatican II, c'est aussi efficace, qui de manière différente, selon la situation diverse de chaque église ou communauté. Donc là, ça y est, il lâche le mot église sans distance, il n'y a plus de distanciation. Alors que précédemment, il y avait la phrase « ils appellent ça leur église ou l'église de Dieu », hein. Là, c'est lâché que c'est des églises, carrément. Donc on a encore passé le cap, le même cap qu'on a passé pour disciples, frères, charité, etc. Il est passé pour ecclésia, parce que tout ça va ensemble. Et là, il n'y a aucune distanciation, c'est affirmer que ce sont des églises ou des communautés, peuvent certainement produire effectivement la vie de grâce, je souligne, peuvent certainement produire effectivement, donc en effet, en réalité, la vie de grâce. Et l'on doit reconnaître qu'elles donnent accès à la communion du salut. Là, on n'est plus dans la doctrine plus ancienne du catholicisme romain, on est dans une innovation propre à Vatican II. Donc les traditionalistes ont raison de voir des innovations dans Vatican II par rapport à l'enseignement précédent.
Mais on voit comment cette innovation est en fait appuyée sur des distinctions antérieures qui déjà posaient problème et pouvaient supposer ce développement dogmatique, entre guillemets, voilà un vrai exemple de développement dogmatique, c'est-à-dire une nouvelle hérésie à chaque fois. C'est évident qu'à partir de la distinction faite par Augustin entre la validité des sacrements et leur légitimité, leur efficacité, on pouvait aboutir par développement successif à cette idée-là de vraie présence du Saint-Esprit en dehors de l'Église. Mais c'est une équivoque sur le mot de validité dans la tradition catholique romaine, malgré tout. Mais là, il est clairement affirmé que ça donne accès à la communion du salut, même en schisme avec l'Église. En conséquence, ces églises, le mot est lâché encore, sans distanciation, et communautés séparées, donc il y a des églises séparées, manifestement. Où est l'unité de l'Église? Où est l'unité du corps du Christ, du coup? Est-ce que le Christ n'est pas divisé s'il y a des églises séparées? Bien que nous croyions qu'elles souffrent de déficience, donc il y a un corps du Christ déficient, manifestement, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans leur mystère du salut. Donc il y a un mysterion de soterias. Même si ces communautés sont déficientes et ont une communion imparfaite à l'Église fondée par le Christ. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elle comme de moyen de salut. Donc là, le Concile affirme savoir que le Saint-Esprit ne refuse pas d'utiliser des sacrements qui étaient déjà considérés comme valides, entre guillemets, en tout cas pour le baptême. Je ne sais pas si c'est vrai pour l'ordination et l'Eucharistie, il faudrait voir ça de plus près. Chez Thomas d'Aquin, par exemple, etc. Ou est-ce que c'est que le baptême? Enfin, ce serait introduire une distinction, une séparation dans l'unité des sacrements. Mais donc, manifestement, on peut avoir un mysterion tisotirias sans être en pleine communion avec le corps du Christ. Et même on peut avoir le corps du Christ sans être en pleine communion avec lui, ce qui est encore plus absurde, mais c'est la conclusion qu'il faut en tirer en fait. On peut être imparfaitement dans le corps, on peut être imparfaitement allié au corps de l'Église, et donc on a imparfaitement l'Eucharistie, on a imparfaitement tout, puisqu'on n'est pas dans la plénitude. Mais même si on n'est pas dans la plénitude, on a quelque chose qui a de la valeur dans le mystère du salut. Parce que le Saint-Esprit ne dédaigne pas de se servir de ceux qui manifestement ne sont pas en communion avec l'Église où le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte comme moyen de salut. Donc le Saint-Esprit se moque bien de l'unité de l'Église en fait. C'est un peu la conclusion qu'on doit en tirer, c'est que l'unité de l'Église n'est plus fondée sur la Trinité. La Trinité, comme fondement de l'Église, de l'unité de l'Église, comme on voit chez Saint Ignace. Non, non, ici, l'Esprit du Christ fait un peu ce qu'il veut, indépendamment de l'unité de l'Église, et donc il constitue un corps du Christ en dehors du corps du Christ, en se servant de la validité des reconnus au sacrement en dehors du corps du Christ, dont la vertu dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Donc on a encore cette distinction très pernicieuse entre ce qui est en plénitude et ce qui n'est pas en plénitude. Donc il y a l'Église en plénitude, qui est celle qui est fondée par le Christ à la Pentecôte. Et il y a des églises qui ne sont pas en plénitude, mais qui restent d'une certaine façon en communion avec la plénitude, qui n'est possible que par l'Église fondée par le Christ. Donc on essaie de conserver une certaine idée de l'unité, de la plénitude, de l'unité, etc., dans l'unique Église fondée par le Christ. Mais en même temps, puisqu'on peut y avoir part d'une certaine façon, sans être organiquement dans cette église, ça sape les bases de ce qui fait le mystère de l'unité pour les pères de l'église, en réalité. En tout cas, dans le consensus patristique, hein, peut-être qu'on peut trouver des pères très augustiniens qui ont des formules audacieuses, mais on va voir que c'est pas nécessairement ce qu'a en tête saint Augustin. Était-ce vraiment la doctrine de saint Augustin? Pour commencer, on va voir le canon 57 du Concile de Carthage, qui a fait une compilation de différents conciles carthaginois, réalisé en 419, qui comprend aussi, enfin, qui valide les décisions prises au Concile d'Hippone, présidé par saint Augustin. Et le canon 57, qui est sur la réception des donatistes, est-ce que
Ceux qui ont été baptisés chez les donatistes peuvent être ordonnés dans l'Église catholique quand ils la rejoignent, donne au passage la doctrine de saint Augustin sur ce qu'il entend par la validité des sacrements chez les donatistes qui sont des schismatiques. Donc là, j'ai mis deux versions pour la fin qui est le plus important. Là, on va lire le canon en entier pour voir le contexte. C'est pourquoi, étant donné que dans le synode précédent fut décidé, votre unanimité s'en souvient avec moi, que les enfants en bas âge baptisés par les donatistes, donc hors de l'Église catholique, et qui n'ont pu encore connaître l'abîme de leur erreur, si parvenus à l'âge de raison et la vérité reconnue, donc la vérité de l'Église, ils détestent la perversion des donatistes, ils seront reçus dans l'Église catholique répandue dans tout l'univers par la simple imposition des mains, comme le veut la règle ancienne. Donc c'est une règle ancienne qui n'est pas si ancienne, puisque un siècle avant, c'était fortement débattu en Afrique même. On y reviendra dans les séries sur Saint-Cyprien de Carthage. Enfin, on affirme que c'est la règle ancienne, un peu péremptoirement. En tout cas, voilà, ils décident de recevoir les donatistes qui reviennent à l'Église par l'imposition des mains, c'est-à-dire le sacrement de chrismation. Ces mêmes enfants ne doivent pas se voir refuser l'accès à l'ordre clérical à cause du nom de leur erreur précédente. Donc on ne va pas les empêcher de rentrer dans le clergé, puisque c'est pas de leur faute s'ils sont nés chez les donatistes. On est d'accord. Puisqu'en venant à la vraie foi, ils admirent la véritable Église comme la leur, et par leur foi au Christ, ils y reçoivent les saints mystères de la Sainte Trinité. Donc là, il est question de foi au Christ dans l'Église catholique. Ils arrivent à la vraie foi, et une fois arrivés à la vraie foi, ils admirent la véritable Église, et là, on peut parler de leur foi au Christ. Alors que Vatican II parle de la foi au Christ de ceux qui ne sont pas dans l'Église, et qui explicitement n'ont pas les mêmes opinions que l'Église catholique. Et ils y reçoivent les saints mystères de la Sainte Trinité dans l'Église. Mystères qui sont tous, nous le savons bien, vrais et saints et divins, et en eux est placée toute l'espérance de notre âme, quoique l'audace mentionnée des hérétiques a l'effronterie d'enseigner sous couvert de vérité certaines propositions contraires à la vérité. Donc là on voit déjà cette distinction que fait Augustin et le Concile de Carthage, entre les mystères en eux-mêmes, ex opere operato, qui sont vrais, saints et divins, et le fait qu'ils soient actués ou effectués par des gens qui enseignent des hérésies. Ils ont l'audace d'enseigner sous couvert de vérité certaines propositions contraires à la vérité, c'est-à-dire des hérésies. Donc, déjà, Augustin considérait qu'on pouvait être totalement hérétique et conserver des mystères vrais, saints et divins. C'est pour ça qu'il parle de validité. Mais, comme ces saints mystères sont simples, comme l'enseigne l'apôtre, en disant un Dieu, une foi, un baptême, donc ils sont simples, ça veut dire qu'il y a une certaine unicité, ils sont liés à l'organicité de l'Église, et que ce qui a dû être donné une fois, il n'est pas permis de le renouveler. Ayant anathématisé le nom de l'erreur, ils seront reçus par l'imposition de la main dans le sein de l'unique Église. Donc ils expliquent pourquoi ils décident de recevoir les donatistes par chrismation et non pas en les baptisant. Parce qu'ils considèrent qu'il y avait un vrai baptême chez les donatistes, même si les donatistes enseignaient des hérésies, ça n'empêchait pas le baptême d'être vrai en lui-même. Et ils interprètent la phrase de saint Paul, un Dieu, une fois un baptême, en ce sens-là. S'il y a validité, c'est le même baptême que dans l'Église, donc on ne le réitère pas. C'est à la base de toute la sacramentologie catholique romaine ultérieure. Donc continuons. Ils seront reçus par l'imposition de la main dans le sein de l'unique Église, l'Église appelée Colombe et seule mère des chrétiens, donc il n'y a qu'une seule Église, malgré tout, dans laquelle tous les sacrements sont reçus pour le salut éternel et la vie de l'âme, donc dans l'Église catholique. Ces sacrements procurent à ceux qui persistent dans l'hérésie un plus grand châtiment de condamnation, car ce qui eût été pour eux un point plus lumineux à suivre vers la vie éternelle s'ils étaient dans la vérité, donc dans la vraie foi, cela leur est dans l'erreur un point plus obscur et plus abhorré. Et je propose une autre traduction à partir de la version anglaise. Je n'ai pas accès au texte original latin, malheureusement, mais à partir de la version anglaise qu'on trouve chez Philippe Schaff sur New Advent, voilà ce que ça donnerait plutôt, le dernier passage. Donc ceux des donatistes qui ont donc ainsi été baptisés hors de l'Église, ayant anathématisé leur erreur, peuvent être reçus dans l'Église par l'imposition des mains,
Elle qui est appelée le pilier et l'unique mère de tous les chrétiens, ou la colombe. Effectivement, il y a peut-être plusieurs versions. La colombe, c'est une référence au Cantique des Cantiques. Comme saint Cyprien de Carthage disait déjà que la colombe du Cantique des Cantiques, c'est l'Église qui est unique. En tout cas, là, elle qui est appelée le pilier et l'unique mère de tous les chrétiens, c'est l'Ecclesia Mater, dans laquelle tous ces sacrements sont reçus en vue du salut de la vie éternelle. Ces mêmes sacrements qui obtiennent pour ceux qui persévèrent dans l'hérésie la lourde peine de la damnation, de sorte que ceux-là même qui pour ceux qui sont dans la vérité illuminent vers l'obtention de la vie éternelle, donc ceux qui sont dans l'Église, ceux-là même pour ceux qui sont dans l'erreur, donc dans l'hérésie ou même dans le schisme, tend vers les ténèbres et la damnation. Ça, c'est la théologie de saint Augustin sur les sacrements hors de l'Église. Ils ont des vrais sacrements. Mais puisqu'ils ne sont pas en union avec la seule et véritable Église du Christ, ces sacrements ne sont pas profitables, qui ne produisent aucun effet salvifique tant qu'il n'y a pas réintégration dans le corps de l'Église. C'est confirmé par ce passage d'une des lettres assez longues de saint Augustin, qui est une sorte de lettre traitée, qui est la lettre 185 au comte Boniface, qui est aussi appelé De Correctione Donatistarum, de la correction des Donatistes, paragraphe 11-50. C'est moi qui ai traduit à partir de la version anglaise qu'on trouve dans le Nicene Post-Nicene Fathers, série 1, volume 4. Mais ceux avec qui nous sommes en dispute, donc il s'agit des Donatistes, ou plutôt à propos desquels nous disputons, ne sont pas des cas désespérés, car ils relèvent encore du corps. On voit saint Augustin dit bien que ces schismatiques, ces donatistes, il ne parle pas d'hérétiques complets, hein, il parle de gens qui sont en séparation pour des raisons de discipline, on va dire. Donc il y a un grand schisme en Afrique qui durera jusqu'aux invasions vandales, voire peut-être ensuite. En tout cas, au moins jusqu'aux invasions vandales. Ne sont pas des cas désespérés, car ils relèvent encore du corps. Donc il reconnaît que ces simples schismatiques, qui sont séparés de l'Église mais ne confessent pas l'hérésie comme les Ariens, relèvent encore du corps. C'était une opinion chez certains. Saint Basile le dit, certains disent que les schismatiques sont encore ectis-ecclesias, contrairement aux hérétiques. Évidemment, Saint Basile n'est pas de cet avis, mais il rapporte que certains sont de cet avis et qu'ils respectent cette divergence sur ce point. Mais ils ne peuvent avoir accès au Saint-Esprit, sinon dans le corps du Christ. Et là, il parle de l'Église catholique. Donc il y a cette idée bizarre dont ils conservent le signe extérieur. Donc les donatistes ont le signe extérieur du corps. Donc à cause de ça, il dit qu'ils relèvent du corps, mais ou qu'ils sont dans le corps. Mais en même temps, ils ne sont pas dans le corps, puisqu'ils n'ont pas la réalité liée au signe extérieur qui n'est que dans l'Église catholique et apostolique. Hein. Donc, ils conservent le signe extérieur, mais n'ont pas la réalité elle-même, au sein de l'Église, c'est-à-dire cette réalité qui est au sein de l'Église, qui est signifiée par le signe extérieur, et par conséquent, ils mangent et boivent leur propre condamnation. C'est une référence à 1 Corinthiens 11, 29, sur ceux qui communient indignement. Donc, ils considèrent que les donatistes communient bien, mais indignement, et donc c'est pour leur propre condamnation. Car il n'y a qu'un seul pain qui est le sacrement de l'unité. Ça, c'est encore une référence à saint Paul, sachant bien que, comme le dit l'apôtre, bien qu'étant une multitude, nous sommes un seul pain et un seul corps. 1 Corinthiens 10, 17. En outre, seule l'Église catholique est le corps du Christ, dont il est la tête, le sauveur de son corps. Même s'il a dit plus haut que les donatistes relèvent du corps, c'est là qu'il y a quelque chose d'incohérent. On perçoit quelque chose d'un peu incohérent dans cette théologie. Mais bon, ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, donc on va se contenter de remarquer que saint Augustin n'a pas du tout la doctrine de Unitatis Redintegratio, qui pourtant fait appel à lui. Hors de ce corps, le Saint-Esprit ne donne la vie à personne. Donc manifestement, il n'y a pas la vie de grâce chez les donatistes. Sachant que, comme l'apôtre le dit lui-même, la charité de Dieu s'épanche dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Romains 5, 5. Et je crois que d'ailleurs cette même citation, Unitatis Redintegratio l'utilise, mais pour lui faire dire le contraire. C'est intéressant de voir comment les papes utilisent des citations en leur faisant dire le contraire de ce que disent les pères de l'Église, devenu un peu un classique.
malheureusement. Mais celui-là n'est pas participant à la charité divine qui se pose en ennemi de l'unité. Donc on n'est pas dans la charité selon le Christ si on est en schisme. Clairement ce qu'il dit. La charité divine suppose l'unité avec l'Église catholique, donc ce que Vatican II appelle la pleine communion. Donc pour saint Augustin, il n'y a pas de charité en dehors de la pleine communion. C'est à cause du fait qu'ils sont ennemis de l'unité, puisqu'ils ne sont pas en communion avec l'Église qui est la pleine communion. C'est pourquoi ils n'ont pas l'Esprit Saint, ceux qui demeurent hors de l'Église. Il le dit texto. Car il est écrit à leur propos, ils se séparent eux-mêmes, étant sensuels, n'ayant pas l'esprit. Épître de Jude 19. Par conséquent, si quelqu'un désire recevoir l'Esprit Saint, qu'il se garde de continuer à vivre en étant étranger à l'Église, qu'il se garde d'y entrer dans un esprit de dissimulation, de sorte qu'il puisse véritablement et en réalité être uni à l'arbre de vie. C'est assez frappant de comparer un tel texte, qui c'est vraiment le fin mot de saint Augustin sur la question des sacrements et du donatisme, et de comparer ça avec Vatican II. Là, on a le passage d'une autre lettre qui est encore plus proche de saint Ignace d'Antioche et de la vision orthodoxe. C'est la lettre 232 au peuple de Madora. Là encore, je traduis de l'anglais de Schaff Series. Nicene, Post-Nicene Fathers, série 1, volume 1, où il y a les confessions et les lettres de saint Augustin. Vous ne pouvez nier que vous voyez ce que nous appelons des hérésies et des schismes. C'est comme ça qu'on appelle ça, Vatican II appelle ça autrement, mais c'est comme ça que les saints appellent ça, c'est-à-dire beaucoup qui sont coupés de la racine de la société chrétienne. Donc, la société chrétienne, c'est l'Église catholique et apostolique, rien d'autre. On ne peut pas s'appuyer sur ce passage d'Augustin pour dire qu'il faut appeler à bon droit chrétiens ceux qui ne sont coupés de la racine de la société chrétienne, laquelle, au moyen des sièges apostoliques et des successions des évêques, la fameuse ecclésiologie orthodoxe qu'on a déjà vue chez tous les pères qu'on a déjà traités, est largement répandue et indiscutablement diffusée dans le monde entier. C'est pourquoi elle est Catholici Ecclesia, et qui réclame le nom de chrétien, mais qui sont semblables à des branches desséchées, se targuant d'après leur seule apparence d'être dérivés de la vraie vigne. Tout cela a été connu à l'avance, prédit et décrit dans les Écritures. Donc comme tous les pères de l'Église qui sont orthodoxes, il n'excuse pas les schismatiques en leur disant que y a eu des dissensions, et puis la faute est partagée, il y a eu la faute, parfois c'était vous, parfois c'était nous, désolé. Non, il leur dit, voilà, ils schisment avec la seule véritable Église, ce sont des branches desséchées, ils réclament le nom de chrétien, ce qui sous-entend que c'est pas légitime, ils ne le portent pas légitimement, et ça a été prédit à l'avance dans les Écritures, donc ça devait arriver. Mais c'est pas de la faute de l'Église catholique si ils sont un schisme, évidemment. On ne voit pas du tout cette manière d'expliquer la chose chez les pères de l'Église, d'Orient comme d'Occident. Continuons avec Unitatis Redintegratio, toujours dans le même chapitre. Cependant, nos frères séparés, soit eux-mêmes individuellement, soit leur communauté ou leurs églises, texto, donc il y a un corps du Christ en dehors de l'Église catholique et apostolique, ne jouissent pas de cette unité que Jésus-Christ a voulu dispenser à tous ceux qu'il a régénérés et vivifiés pour former un seul corps en vue d'une vie nouvelle et qui est attestée par l'Écriture sainte et la vénérable tradition de l'Église. Donc là, tout d'un coup, on a un passage qui se rapproche d'une formulation plus traditionnelle. Attention, ces schismatiques et hérétiques ne jouissent pas de l'unité que le Christ a voulu dispenser à l'Église. Donc tout d'un coup, ils sont pas du tout dans l'unité de l'Église. Même si juste avant, il les a appelés frères séparés et Église. Encore le double langage, le va-et-vient serpentin entre la réforme que Vatican II veut instaurer et instaurera, et les affirmations précédentes dans les conciles œcuméniques du catholicisme. Réaffirmation pour les tradis, voilà, mais en fait, c'est nous, l'Église, qui avons l'unité, et pas les autres. C'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est le moyen général de salut, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. Et là, où est l'entourloupe ? Ça a l'air très tradit comme phrase. Où est l'entourloupe ? Il y a le mot plénitude. Si on enlève plénitude,
C'est tout à fait traditionnel. Là, quel est le moyen général de salut? Donc c'est dans la seule Église catholique du Christ. Là, quel est le moyen général de salut? Que peuvent s'obtenir les moyens du salut? Là, on comprendrait très bien ce que ça veut dire. Mais non, le texte dit la plénitude des moyens de salut. On a déjà vu que Vatican II met bien joué là-dessus, ce qui est plein, ce qui n'est pas plein. Ce qui est complet, ce qui n'est pas complet. Donc maintenant, on a En fait, ce que le texte dit, c'est qu'il y a la plénitude des moyens du salut dans la seule Église auquel le Christ a voulu dispenser l'unité. Mais il y a malgré tout un salut dans l'implénitude. Allez savoir ce que ça veut dire. Il y a des moyens incomplets et imparfaits d'atteindre le salut en dehors de ce corps. Car c'est au seul collège apostolique présidé par Pierre que furent confiées, selon notre foi, toutes les richesses de la nouvelle alliance, afin de constituer sur terre un seul corps du Christ auquel il faut que soit pleinement incorporé. Donc là, il dit qu'il faut que soit pleinement incorporé tous ceux qui, d'une certaine façon, appartiennent déjà au peuple de Dieu. Donc, là encore, contradiction complète entre deux thèses incompatibles. D'un côté, il n'y a qu'un seul corps du Christ, de l'autre, mais ils font déjà partie du peuple de Dieu. Donc, on doit en conclure apparemment qu'il y a le corps du Christ plein, un, avec la plénitude, et il y a des gens qui sont dans le peuple de Dieu, même sans être en pleine communion avec ce corps. On voit encore le même système. C'est complètement absurde, hein, c'est complètement incohérent, ça n'a rien à voir avec les évangiles et les pères de l'Église, mais c'est ce qui est affirmé par un double langage très, très habilement ficelé. Et tout ça a simplement pour but de justifier le mouvement œcuménique dans lequel, de toute façon, le Vatican a décidé de s'immiscer, qu'il avait refusé jusque-là, basé sur leur ecclésiologie plus ancienne, mais que maintenant il va justifier par cette nouvelle ecclésiologie sortie donc de ses eaux. On a l'impression qu'ils ont réuni des protestants et des jésuites pour produire ce concile, inventer une nouvelle théologie complète. On en rigole, mais c'est pas drôle, évidemment. Puisque, par contre-coup, ça touche aussi l'Église orthodoxe. Grâce à Dieu, on n'a pas l'équivalent de Unitatis Redintegratio. On n'a pas de conciles panorthodoxes qui ont issu ce genre de documents, mais il faut pas en rire, puisque malheureusement, une bonne partie en tout cas une partie importante, de l'Église actuelle se laisse un petit peu berner par ce double langage, sciemment, consciemment ou inconsciemment. Puis avoir des différents niveaux de conscience dans tout ça, mais ils sont nés dans ce bain Vatican II. C'est important de comprendre Vatican II et de comprendre le double langage qu'il y a dans ces textes. Pour essayer de faire comprendre à des gens qui ont cru jusque-là qu'il n'y avait qu'une seule Église et que ça voulait dire que les schismatiques et les hérétiques ne sont pas dans l'Église, qu'en fait il n'y a qu'une seule Église, mais ils sont quand même dans l'Église. Durant son pèlerinage terrestre, ce peuple, bien qu'il demeure en ses membres exposé au péché, continue sa croissance dans le Christ. Quand il dit ce peuple, manifestement, on voit qu'il a inclus tous les schismatiques et les hérétiques dedans. Donc ce peuple, avec ces gens qui sont d'une certaine façon, on a vu comment, parce qu'ils ont un baptême valide, etc., font déjà partie de ce peuple. Donc ce peuple, avec toutes ses erreurs, donc c'est pas simplement qu'il est exposé au péché, c'est qu'il y a des schismatiques, des confessions de foi fausses. Tout ce que Saint Ignace dit qu'il faut fuir et séparer de l'unité, hein, ils n'auront aucune part à votre unité, dit Saint Ignace, et ben il continue sa croissance dans le Christ. Donc finalement, il y a une sorte d'unité dans le Christ, il y a une croissance en Christ de tous ces gens qui, manifestement, ont complètement abandonné la foi apostolique. Bien que on a vu, le document pose comme base, alors il faut qu'il y ait la foi en la Trinité, il faut croire que le Christ est Seigneur et Sauveur, mais c'est un peu arbitraire. Pourquoi est-ce que. Qui a décidé que c'était ça la base sur laquelle on pouvait fonder l'œcuménisme et pas autre chose? Et c'est pourquoi, en fait, ça dérape très vite vers l'interreligieux, parce que c'est arbitraire. Pourquoi est-ce que arbitrairement on exclut les témoins de Jéhovah, les Mormons, etc.? Mais on inclut toutes les dénominations protestantes les plus folles, du moment qu'ils disent on croit à la Trinité et que le Christ est Seigneur et Sauveur, c'est des critères complètement arbitraires et ça fait penser au fondamentalisme protestant, c'est-à-dire
le vrai sens du mot fondamentalisme protestant, c'est-à-dire quels sont les points de doctrine fondamentaux qu'il faut tenir pour pouvoir se dire vraiment chrétien protestant, et si on n'y croit pas, on n'est même pas protestant, donc on est hérétique même aux yeux du système global qu'ont essayé que ces fondamentalistes voulaient, cette sorte d'unité de doctrine minimale que ces fondamentalistes voulaient établir, donc voilà, la Trinité, le Christ, Dieu et homme, Sauveur, etc. Sans doute les cinq solas, hein, sola fidei, sola scriptura, sola fide, sola scriptura. Solus Deo, alors je ne sais plus le nom des autres, donc il y a la grâce seulement de Dieu, justification par la foi, les solas qui font la majorité des protestants. Et donc c'est un peu le même principe à Vatican II, on a un fondamentalisme, voilà la doctrine minimale qu'il faut croire pour faire partie de la team, mais pour le reste, on peut parler d'opinions divergentes, ça n'empêche pas de parler de frères séparés et de sacrements valides. Donc on voit que Vatican II pose des limites au mouvement œcuménique, mais que c'est pas cohérent. Comme ces limites sont arbitraires, en fait, la logique du mouvement œcuménique peut très facilement déraper au-delà de ces limites. C'est ce qui arrive quand quelque chose est arbitraire. Manifestement, c'est ce qui arrivait aussi à la distinction entre validité et efficacité chez Saint-Augustin. Hop, très, très facilement, on repousse même les limites qui sont posées si elles ne sont, si elles n'ont pas un fondement théologique solide. Voilà, tout ce peuple avec tous ces hérétiques, doucement guidé par Dieu selon ses mystérieux desseins, continue sa croissance jusqu'à ce que dans la Jérusalem céleste, il atteigne joyeux la totale plénitude de la gloire éternelle. Donc, manifestement, confesser la foi apostolique n'est plus nécessaire à être participant à la Jérusalem céleste. Donc, les pères de l'Église se retournent, plutôt, ils s'indignent auprès du Christ. On va lire encore deux passages et on s'arrêtera pour cette quatrième partie. Là, c'est le paragraphe 4, ce qu'ils appellent de l'écuménisme. Étant donné qu'aujourd'hui, en diverses parties du monde, sous le souffle de la grâce de l'Esprit-Saint, hein, joachimisme, n'oubliez pas, c'est l'ère du Saint-Esprit, fini les vieilles querelles, les vieilles chamarreries, on est dans la nouvelle ère du Saint-Esprit, Joachim de Flore avait raison, et l'ère du Saint-Esprit, c'est l'ère de l'écuménisme. Beaucoup d'efforts s'accomplissent par la prière, pas n'importe quelle prière, on verra, la parole et l'action pour arriver à la plénitude de l'unité voulue par Jésus-Christ. Donc là, il est affirmé très clairement que la plénitude de l'unité voulue par Jésus-Christ n'existe pas encore. Elle doit être le fruit du mouvement œcuménique. C'est sa justification. Sa justification, c'est de rendre réel, vrai, concret, visible, la volonté du Christ, qui jusque-là a été bafouée. Le Saint-Concile exhorte tous les fidèles catholiques à reconnaître les signes des temps. Ce n'est pas dans un sens apocalyptique, là c'est dans un sens joachimiste. Regardez, les signes des temps, c'est l'ère du Saint-Esprit, et à prendre une part active à l'effort œcuménique. Donc, chers auditeurs catholiques romains, vous êtes invités et même sommés de prendre part active à cette nouvelle ecclésiologie complètement hérétique, vous n'avez pas vraiment le choix. C'est ce qui a posé tous ces problèmes que l'on sait suite à Vatican II au sein du catholicisme romain. Parce que Vatican II ne dit pas simplement des choses abstraites, il dit voilà, il y a des mesures concrètes à prendre et les fidèles catholiques sont invités à prendre ces mesures concrètes. Donc si le magistère romain à son plus haut niveau exhorte à le faire, ça ne peut pas être mauvais. Voilà le problème. Donc il faut fournir tous ces efforts pour arriver à finalement exaucer le souhait du Christ en Jean 17. Hein. C'est un peu toute la théorie. Donc le Christ fait des prières qui ne sont pas exaucées sans les efforts des hérétiques et des schismatiques pour les réaliser. Voilà un peu l'absurdité de cette théorie. Par mouvement œcuménique, on entend les entreprises et les initiatives provoquées et organisées en faveur de l'unité des chrétiens. Encore une fois, donc l'unité des chrétiens n'est pas un fait. La prière du Christ n'a pas été exaucée, selon les besoins variés de l'Église et selon les circonstances. Ainsi, en premier lieu, tout effort accompli. Petit problème, on va reprendre. Selon les besoins variés de l'Église et selon les circonstances. Ainsi, en premier lieu, tout effort accompli pour éliminer les paroles, les jugements et les actes qui ne correspondent ni en justice, ni en vérité, à la situation des frères séparés et contribuent ainsi à rendre plus difficiles les relations avec eux. Donc,
Si on doit traduire ça en langage normal et courant, chers fidèles, vous n'avez plus le droit de faire de polémique ou d'apologétique, c'est fini. C'est fini. Vous n'avez plus le droit de défendre la foi que vous aviez toujours défendue jusqu'ici, c'est fini. Et si vous le faites, c'est contraire à la charité envers les frères séparés, c'est contraire à la justice et à la vérité. On voit comment ça a déteint sur certains orthodoxes aussi, malheureusement. Les pères de l'Église ne disent pas ça du tout, évidemment. Quels pères de l'Église disent, attention, les traités polémiques pour défendre l'orthodoxie face à l'hétérodoxie, c'est contre la justice et la vérité, arrêtez de le faire, attention à l'apologétique, c'est antichrétien. Personne. Évidemment, puisque tous les pères de l'Église eux-mêmes ont écrit des traités polémiques et ont fait de l'apologétique. Ça paraît évident, avec déjà ce qu'on a vu, Saint Irénée de Lyon, Tertullien, Saint Clément de Rome, Saint Ignace d'Antioche, etc. Saint Cyprien, ce serait la même chose. Hein, il a écrit un traité de l'unité de l'Église catholique par rapport au schisme des Novatiens. Donc manifestement, c'est de l'apologétique. Mais voilà, le Vatican vous dit, chers fidèles, arrêtez de défendre la foi parce que maintenant c'est fini, on change de foi. Il va falloir se mettre à la page. Ensuite, au cours de réunions de chrétiens de diverses églises, là c'est lâché sans distanciation aussi, donc voilà, maintenant vous devez accepter que ce sont ces gens qui ne sont pas dans l'église sont des chrétiens et leurs communautés sont des églises légitimes, ou en tout cas valides, qui ont imparfaitement les sacrements et le salut, ou communautés organisées dans un esprit religieux. Alors, qu'est-ce que ça peut bien signifier d'organiser dans un esprit religieux des réunions avec des hérétiques? C'est un peu étrange. Le dialogue mené par des experts bien informés, ça on connaît, on comprend, où chacun explique plus à fond la doctrine de sa communauté et montre de façon claire ce qui la caractérise. D'accord. Tout ça c'est très bien. Ce qui est un peu inquiétant, c'est cette idée d'un esprit religieux, en fait. Donc on insère quelque chose d'une communion spirituelle, d'un esprit commun spirituel. Dans un dialogue qui en fait devrait être purement factuel, comme c'est déjà arrivé dans l'Église. Là, hein, il y a des dialogues entre les catholiques apostoliques et les donatistes, il y a des dialogues, Saint David de Vienne va dialoguer avec les Burgondes ariens au VIe siècle, les Grecs orthodoxes vont dialoguer avec les Latins au Concile de Florence, Et encore, le contexte est différent, puisque il y a un véritable espoir, vu la nature des différences, qui n'est pas comparable à celle avec les protestants, par exemple. Il y avait un véritable espoir, en tout cas, d'arriver, qui était vite déçu, mais d'arriver à un accord. Mais c'était pas dans un esprit religieux, c'était dans un esprit de trouver un accord pour ensuite pouvoir concélébrer, prier ensemble, etc., dans l'unité. Mais le concile en lui-même, il est dans un esprit de dialogue, de débat, de confronter les idées, de voir si elles sont compatibles ou non. Il n'y a pas un esprit religieux derrière. C'est un peu bizarre. Enfin, en tout cas, il n'y a pas cette idée qu'il y a déjà une communion avant même la réunification. Par ce dialogue, tous acquièrent une connaissance plus conforme à la vérité, donc concernant les autres groupes, évidemment. J'imagine, en même temps qu'une estime plus juste de l'enseignement et de la vie de chaque communauté. Très bien. De la même manière, ces communautés viennent à collaborer plus largement à toutes sortes d'entreprises qui, répondant aux exigences de toute conscience chrétienne, donc voilà, on a complètement relativisé le mot chrétien, donc on va l'utiliser à toutes les sauces. Toute conscience chrétienne, ça peut être quelque chose de très, très large et très vague qui n'a plus rien à voir avec l'Église fondée par le Christ, contribue au bien commun. Mais donc, ce qui est dérangeant, c'est pas l'idée d'agir en commun avec d'autres personnes dans un contexte extra-ecclésial pour faire des bonnes choses, mais est rattachée à cette idée de collaboration à toutes sortes d'entreprises, cette nouvelle ecclésiologie qui est hérétique. Et c'est ce lien qui est fait entre ces activités et cette nouvelle théologie qui est hérétique qui rend ces activités douteuses et suspectes, évidemment. On peut aussi, là où c'est permis, se réunir pour une prière unanime. Rappelez-vous ce qu'a dit Saint Ignace d'Antioche, une seule prière, avec un seul évêque autour d'un seul autel, une seule Eucharistie.
Mais la prière unanime à laquelle appelle Unitatis Renite Gratio n'est pas autour d'un seul évêque, n'est pas autour d'un seul autel, n'est pas autour d'une seule Eucharistie, n'est pas avec un seul Christ, un seul Père. Elle est basée sur cette idée qu'il y a des frères séparés, il y a un corps du Christ imparfait, et tout ce qu'on a vu, qui est complètement hérétique. Enfin, tous examinent leur fidélité à la volonté du Christ par rapport à l'Église, et entreprennent, comme il le faut, un effort soutenu de rénovation et de réforme. C'est assez hallucinant de voir un concile qui se dit concile œcuménique dire tout simplement qu'il faut soutenir un effort de rénovation et de réforme. Enfin, c'est pas la première fois que ça arrive dans le catholicisme romain, puisqu'il y a eu le concile de Trente, qu'on appelle la contre-réforme, qui était déjà un concile de rénovation et de réforme. Évidemment, à une oreille orthodoxe, ça sonne très bizarre, parce qu'aucun concile œcuménique réel, véritable, ne s'est réuni en disant « Bon, bah, il va falloir faire de la rénovation et de la réforme ici. » Ça n'arrive jamais. Ou alors c'est seulement quand ils voient qu'il y a un gros problème disciplinaire quelque part et que donc il faut évidemment dicter des canons pour répondre à ces problèmes. Mais il ne s'agit pas de rénover, de réformer l'Église en tant que telle. Or c'est ce que dit Vatican II, c'est qu'il faut aggiornamento de l'Église en tant que telle. Imaginez Concile de Nicée, Concile d'Éphèse, Concile de Chalcédoine, Concile de Nicée II, n'importe quel vrai concile œcuménique dire ça. Non, c'est complètement hallucinant. On ne rénove pas et on ne réforme pas l'Église, ils disent exactement le contraire. On suit la tradition des pères, telle est la foi des apôtres, telle est la foi des pères, telle est la foi qu'on a toujours cru, et en suivant les saints pères, voilà ce qu'on a décidé. Voilà la vraie foi, voilà les canons qu'on décide pour le bien spirituel de l'Église, mais ces nouveaux canons qui sont décidés par le Concile ne sont jamais pour rénover et réformer l'Église. C'est pour, au contraire, éviter de dévier de la tradition apostolique et rester dans les rails. C'est rester dans les bornes. C'est exactement l'esprit inverse que ce qu'explique Vatican II. Tout cela, s'il est accompli avec prudence et patience par les fidèles de l'Église catholique sous la vigilance de leurs pasteurs, contribue au progrès de la justice et de la vérité, de la concorde et de la collaboration, de l'amour fraternel et de l'union. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y a toute cette ecclésiologie derrière. Donc l'amour fraternel, c'est l'amour qu'il y a entre les frères en Christ, qui ont revêtu le Christ, mais il est étendu à ceux qui, selon le critère patristique, ne sont plus des frères. Et de l'union avec ceux qui, selon le critère patristique, ne sont pas dans l'union et sont rejetés de l'union. Par cette voie, peu à peu, après avoir surmonté les obstacles qui empêchent la parfaite communion ecclésiale, bon, j'imagine sous-entendu de ces gens qui ne sont pas catholiques romains, mais c'est même pas précisé. Donc c'est là qu'ils peuvent jouer aussi sur l'ambiguïté du texte, qu'on peut interpréter dans un sens ou dans un autre. Donc qui empêche la parfaite communion ecclésiale en général, dans l'absolu, ou simplement de ces gens-là qui ne sont pas dans l'Église? Question. Se trouveront rassemblés par une célébration eucharistique unique, dans l'unité d'une seule et unique Église, tous les chrétiens. Donc, ce qu'explique le texte, c'est que tous les chrétiens ne sont pas dans une seule et unique Église, pourtant c'est ce que le Christ a voulu et a établi au premier siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Manifestement, ce que le Christ a voulu et établi au premier siècle n'a pas fonctionné. Il y a eu un problème quelque part. Donc c'est au mouvement œcuménique de s'en occuper, et quand il aura réparé le problème que le Christ lui-même n'a pas su prévoir, apparemment, il n'a pas donné les moyens aux apôtres et leurs successeurs d'y remédier. Il faut le mouvement œcuménique, qui est une espèce de grâce supra-ecclésiale donnée à tout un tas de gens qui sont hors de l'Église, pour arriver à vraiment une seule et unique Église avec tous les chrétiens dedans, c'est-à-dire ce qu'a voulu le Christ à l'origine. Jugez si c'est apostolique comme vision de l'Église. Cette unité, le Christ l'a accordée à son Église dès le commencement. Donc pourquoi est-ce qu'il faut le mouvement œcuménique pour la réaliser ? Trois points d'exclamation et deux points d'interrogation derrière. Nous croyons qu'elle subsiste de façon inadmissible dans l'Église catholique, donc là ils essayent encore de conserver quelque chose d'orthodoxe, et nous espérons qu'elle s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles. Donc vous venez de dire quelque chose est son contraire, mais ça pose aucun problème puisque le double langage est permis et que ce qui compte c'est simplement d'arriver à la fin du concile aux décisions qui ont été prises en haut lieu. Ce qui compte, c'est pas d'être fidèle à la tradition précédente, c'est de pouvoir expliquer par la duplicité, le jésuitisme et le double langage, qu'on va changer la foi tout en gardant « n'ayez pas peur la même foi ».
Ça va être expliqué par le développement dogmatique à tous les coups. Et on va terminer avec cet autre passage du même chapitre de l'écuménisme. Il ne faut pas non plus oublier que tout ce qui est accompli par la grâce de l'Esprit Saint chez nos frères séparés, donc clairement saint Augustin s'indigne, il dit « Que racontes-tu Paul VI ?» La grâce de l'Esprit Saint n'est pas chez les donatistes, donc encore moins chez les protestants et les frères séparés en tout genre. Je ne pense pas qu'il aurait été très chaud pour accorder la vie de grâce aux miaphysites et aux nestoriens. Mais donc, Paul VI, ça ne pose pas de problème de contredire le docteur de la grâce sur les questions de la grâce, peut contribuer à notre édification. Là, une autre idée clé de l'écuménisme, discuter avec les schismatiques et les hérétiques, contribue à l'édification des orthodoxes, ou de ceux qui se disent eux-mêmes catholiques, orthodoxes. Là encore, quel père de l'Église, quel saint a jamais dit ça? Personne. L'Église a tout le trésor de la foi légué par les apôtres, comme l'Église serait Tertullien, donc il n'y a aucune édification qui peut devenir hors de l'Église, qui soit plus édifiante, ou plus riche, ou différemment édifiante et riche, que ce qui existe dans l'Église, si c'est vraiment l'Église. C'est pour ça qu'on ne verra jamais un orthodoxe qui a l'esprit patristique considérer qu'il va s'enrichir spirituellement en lisant des textes d'hérétiques et de schismatiques. Au mieux, on trouve la même chose et la même vérité que dans l'orthodoxie. Au pire, on trouve des déviations. Donc c'est en aucun cas plus riche ou une diversité qui édifie. Ça, c'est encore une grande innovation qui n'est pas du tout en ligne avec la théologie précédente dans le catholicisme romain même, qui n'est pas du tout en ligne avec les pères de l'Église. L'idée qu'on va être édifié par ceux qui ont une vérité incomplète parce qu'ils ont quand même un peu de vérité, ça semble assez pernicieux. Imaginez Athanase dire « Mais n'hésitez pas à lire le traité d'Arius parce que ça va quand même vous édifier un petit peu, il dit pas que des bêtises, il y a peut-être une phrase qui est bonne, donc n'hésitez pas à vous enrichir des écrits d'Arius. » Non, ça n'a pas de sens. Rien de ce qui est réellement chrétien ne s'oppose jamais aux vraies valeurs de la foi. C'est un peu une vérité de la palisse, mais ce que ça veut dire derrière, c'est que puisqu'on a étendu la notion de christianisme à tous ceux dont on reconnaît la validité du baptême, quelles que soient leurs opinions du moment qu'ils confessent la Trinité et Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu et sauveur, tout le reste, bon, peu importe, on va appeler ça quelque chose de réellement chrétien. Donc la signification de ce que signifie réellement chrétien est complètement biaisée, détournée et déformée. Donc on peut affirmer cette vérité de la palisse, qui en fait est une espèce de poison innovateur. Alors que dit dans un contexte orthodoxe, il n'y aura aucun problème à dire que rien de ce qui est réellement chrétien ne s'oppose jamais aux vraies valeurs de la foi. Et dans ce cas-là, puisque ce qui n'est pas dans l'Église ne peut pas être réellement chrétien, ce n'est pas chez eux qu'on va s'édifier. Ce serait la conclusion logique et orthodoxe. Mais tout cela peut contribuer à pénétrer toujours plus parfaitement le mystère du Christ et de l'Église. Donc Paul VI considère que on peut pénétrer plus parfaitement le mystère du Christ et de l'Église en lisant les enseignements et les livres de schismatiques et d'hérétiques. Bon. Que chacun en tire la conclusion qu'il veut. Pourtant, les divisions entre chrétiens, encore cette absurdité, puisque les divisions finissent toujours par, en fait, couper ce qui divise l'Église hors de l'Église, et donc conserver l'unité de l'Église, les divisions entre chrétiens empêchent l'Église de réaliser la plénitude de catholicité qui lui est propre, en ceux de ses fils qui certes lui appartiennent par le baptême, hein, c'est la justification de frères séparés, mais se trouvent séparés de sa pleine communion. Réitération de cette théorie. Donc là, il est clairement dit que les schismatiques et les hérétiques reconnus par le Vatican comme ayant un baptême valide sont des fils de l'Église. C'est ceux de ses fils qui lui appartiennent, mais sont séparés de sa pleine communion. Donc ce que Paul VI est en train de dire, c'est que nous, les orthodoxes, par exemple, on est fils de l'Église catholique romaine, qu'on le veuille ou non, puisqu'ils reconnaissent nos sacrements comme valides. Là, c'est vraiment imposé, c'est hyper pernicieux. Hein. C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose de satanique à l'œuvre. C'est imposer, même à ceux qui refusent consciemment tout rapport avec eux, d'être en communion avec eux quand même, qu'on le veuille ou non. Et d'être fils de leur église, alors que la dernière chose qu'on veut, c'est d'être fils de leur église, entre guillemets. Et on voit que c'est complètement antichrétien, cette idée de dire à des gens qui refusent qu'ils sont des membres de l'église.
Mais ils ne veulent pas être membres de l'Église. Ils refusent d'être membres de ton Église. Comment peuvent-ils être membres de ton Église? C'est quelque chose de d'assez hallucinant, qui semble complètement contraire à l'Évangile. Manifestement, ça n'a pas dérangé Paul VI. Et donc, on approfondit le mystère du Christ et de l'Église en dehors de l'Église, aucun problème. Pourtant, donc voilà, il y a des fils qui ont. Ils n'ont pas la pleine communion, mais bon, ce sont des fils, donc il y a des genres de demi-fils imparfaits. C'est des genres de bâtards de l'Église, en quelque sorte. Bien plus, pour l'Église elle-même, il devient plus difficile d'exprimer sous tous ses aspects la plénitude de la catholicité dans la réalité même de la vie. Donc, à cause des schismatiques, l'Église du Christ n'arrive pas à exprimer la plénitude de la catholicité. C'est une première aussi, assez hallucinant. Est-ce que vous imaginez Saint Ignace d'Antioche dire que l'Église apostolique n'arrive pas à exprimer la plénitude de sa catholicité parce qu'il y a des gnostiques, parce qu'il y a des valentiniens, parce qu'il y a des judaïsants? C'est assez hallucinant aussi. Imaginez Saint Irénée de Lyon dire: ah bah en fait, on est l'Église catholique, mais on n'arrive pas vraiment à manifester la catholicité parce que vous, les gnostiques, là, malheureusement, vous nous empêchez de manifester la catholicité de l'Église avec votre refus d'être en pleine communion avec nous. Non, ça n'existe pas. Et c'est une phrase assez hallucinante. Les divisions entre chrétiens empêchent l'Église de réaliser la plénitude de catholicité qui lui est propre. Je pense que si. Prenez juste cette phrase, vous avez compris l'essentiel de la subversion de ce document. Et de quel point c'est à mille lieues des saints pères de l'Église et des saints conciles. Le Saint-Concile constate avec joie l'accroissement de la participation des fidèles catholiques à la tâche œcuménique, hein, parce que c'est pas simplement une théorie à laquelle les catholiques romains doivent adhérer, mais c'est une tâche à laquelle ils doivent participer activement. S'ils veulent être de bons catholiques romains, hein, les bonnes brebis obéissent à leur pasteur, donc les bons catholiques romains doivent obéir à Unitatis Redintegratio. Donc automatiquement, les traditionalistes sont de mauvaises brebis. Désolé pour vous. Paul VI vous considère comme des mauvaises brebis, puisque vous refusez d'accomplir la tâche œcuménique, qui est une tâche du Saint-Esprit, une grâce de l'Esprit-Saint, qui doit viser la réalisation du souhait du Christ. Donc, chers traditionalistes, il serait temps de participer à cette tâche salvatrice, si vous le voulez bien. Si vous ne le voulez pas, il serait temps de voir que ce n'est pas simplement Vatican II le problème, ça remonte à plus loin. Mais à Vatican II, le problème se manifeste encore plus clairement en ce qui est de l'ecclésiologie vis-à-vis des sacrements, etc., des frontières de l'Église, etc. C'est un pas en avant encore, non? Dans les innovations successives qui ont obligé un John Newman à inventer la doctrine du développement dogmatique, finalement, pour justifier tout ça. Donc, il confie celle-ci, la tâche œcuménique, aux évêques de toute la terre. Hein, donc ils n'ont pas tellement le choix, ils doivent être œcuménistes ou ils ne suivent pas le magistère de l'Église, de toute la terre, pour qu'ils veillent à la promouvoir et qu'ils l'orientent avec discernement. On va voir que ce discernement n'est pas tellement un discernement selon les pères de l'Église. Et on va s'arrêter ici pour cette quatrième partie, qui était assez longue, et on se retrouve bientôt pour la cinquième et dernière partie. Exactement.